Alors, coucou tout le monde, on est reparti sur un petit live, désolé du petit début, il y avait tellement de monde qu'on a dû regarder pour délayer un petit peu certains posts. Je trouvais pas l'option en fait, et je viens de la trouver là à l'instant. C'est pour ça que j'ai commencé avec quelques minutes de retard. Alors, dites-moi, le son, est-ce que côté musique c'est bon pour vous avant de démarrer? Comme ça pour moi, tout est bon. Merci de votre patience, je vois qu'il y a déjà des campagnes pour mettre des pouces bleus, donc merci à vous. Ça va aider. Alors, avant de démarrer, pendant que vous me dites par rapport... Bah là, il n'y a plus de musique. Elle revient. Quelques petites annonces. Donc aujourd'hui, on fait un live sur Surviving Mars, parce que là, il y a eu un DLC qui change énormément le jeu. On va pouvoir terraformer la planète, ce qui veut dire donc la rendre plus verte, et également retirer les trous, les cratères, les montagnes, enfin vraiment plein de choses, ça change trop de trucs. Donc on va découvrir ça. Ils ont également mis un petit DLC là où il y a des animaux de compagnie maintenant, ou des vaches qu'on peut élever, on va voir. Bon, ça c'est pas ça qui m'a motivé à revenir sur le jeu. On me dit que c'est bon, d'accord. Demain on va faire une vidéo sur Castle Story, parce que je veux faire un château. Et les développeurs m'ont même donné des clés à vous distribuer. Donc rejoignez-moi, on va bien s'amuser. Et à savoir que la semaine prochaine, donc samedi à 15h le 25, alors que je dis pas de bêtises, ça sera le 25, ouais, on va organiser un trivia sur le Discord, donc rejoignez-moi dessus. On va faire en gros 8 équipes de joueurs, on va vous distribuer en équipe, et on va poser des questions avec un tournoi en par élimination. Donc les gagnants vont recevoir des clés de jeu, ils vont pouvoir avoir un grade spécial sur le Discord, et tout ça, donc revenez, on va bien s'amuser. Du coup, c'est bon pour la musique, on me dit. D'accord, bon bah alors c'est parti, nouvelle partie, go! Du coup, alors, sponsor de mission, il y en a une nouvelle, donc qui vient, bon, on va le faire, du coup, bien entendu, vu que c'est le nouveau jeu, alors ça booste vraiment la difficulté, on passe à 220%, d'accord. Donc là, c'est l'initiative de Terraformation, qui en gros nous donne 8 milliards de fonds, 3 fusées de départ. La troisième fusée, c'est peut-être grâce aux fuséologues, je pense. On a une centaine de candidats, on soit 100 points de recherche par année seul. Les technologies de terraformation sont moins chères, ça c'est cool. Les usines de reboisement ne nécessitent pas d'énergie. Possibilité d'importer des dozers. Ouais, ça c'est pas loin de nouveau, ça me dit rien là de tête. Bonus technologie, végétation martienne, pas mal. On va y aller en fuséologue, c'est mon préféré parce que j'ai une fusée supplémentaire. Mais on peut être en géo-ingénierie, mais ça diminue la difficulté de 40%. Donc on va rester en fuséologue, ce qui me donne une fusée en plus et une technologie de propulsion par CO2. Ce qui va débloquer les navettes et les transports longue portée, donc pour que les gars puissent se balader. Ah d'accord, donc on garde le fuséologue. Alors moi, la dernière partie que j'ai faite était à 280% de difficulté, donc 220 c'est pas énorme, non. Non, je ne suis pas sur Twitch, Matisse, je fais plus que sur YouTube, c'est plus facile pour moi, pour les modérateurs, on a moins à regarder dans tous les sens, moi j'ai plus de chats à surveiller, c'est vraiment plus facile pour moi, et surtout que mon public est sur YouTube, hein, donc voilà. Du coup, alors un mystère, il y a des beaux mystères qui vont vraiment booster la difficulté, mais moi je vais le mettre aléatoire. Comme ça, on va être surpris. J'espère juste qu'ils vont pas mettre aucun, parce que là, je vais être pas content. Et règles du jeu. Alors, il y a des règles qu'on peut modifier, mais j'en veux pas. On reste comme ça, donc à 220%, avec une possibilité de passer à 280 en fonction du mystère choisi. D'accord. Du coup, alors, on va appeler notre fusée Fox One. Et du coup, qu'est-ce qu'il me donne? Il me reste 1000 kilos en stockage. Bah, je peux pas amener grand-chose d'autre avec moi. Je peux amener une sonde en plus. Alors, je vais plutôt prendre des drones. On va en avoir, bah, on va en avoir besoin au début, des drones. En bâtiment préfabriqué, il me donne quoi? 2 réseaux de drones, une raffinerie de carburant, 2 générateurs Stirling. D'accord, ça devrait être pas mal. Il me donne 10 polymères. D'accord, très bien. Donc, suivant. Si vous ne connaissez pas, on verra ce que ça va donner. Et donc là, on va choisir où démarrer. Bon. Alors, je vais à un endroit avec pas trop de menaces quand même. Hein, voilà, on est quand même... Regardez, là, je suis à 280%. Je veux pas trop de menaces et je veux beaucoup de ressources quand même. Du coup, ça, c'est pas mal. Ouh, 295% de difficulté. Il y a pas mal de tourbillons de poussière et de météores. Ici... Ouh, celui-là est génial. Je pense que je vais prendre lui, Elysium Alpha.
Là, on est à 355% de difficulté. Pourquoi? Bah, on va aller à celui à 355, je pense, pour le plus dur. D'accord, on va prendre lui. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que finalement, je vais perdre en 15 minutes, les gars. Peut-être que je vais perdre en 15 minutes. D'ailleurs, au passage, pensez à laisser un petit pouce bleu. En fait, grappez les chiffres. Ça serait pas mal pour que plus de gens découvrent ma chaîne et le petit live. Ça serait vraiment top de votre part. Alors, démarrer. Hugo Slavi, apparemment il y a un gros ajout sur Kingdoms and Castle. Je sais pas si je vais revenir dessus, pour être franc, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Je pense qu'il serait difficile de revenir sur le jeu sans faire un let's play, et refaire un deuxième let's play sur le jeu, je sais pas. On va voir, j'ai pas encore regardé quels sont les ajouts, mais bon. Alors, bienvenue sur Mars, commandant. Tout le monde au centre de contrôle est impatient de voir la fusée atterrir et décharger sa précieuse marchandise. Nos yeux et nos bras télécommandés sur... D'accord, c'est bien. Notre but est d'assurer l'implémentation de l'humanité en construisant le premier dôme martien. Donc là, vous connaissez le début. On va faire notre base, mais on commence uniquement avec des robots pour préparer l'arrivée d'humains. Donc, c'est parti. Il faut que je me rappelle de tout ça. Donc, on va devoir... Mais on va s'installer là, je pense. Mais avant, j'ai 4 sondes. Donc, on va inspecter les environs. Ouh. D'accord. Et... Là. Ah ouais. Donc du coup je vais... Ah, il faut que je passe en couverture. Du coup je vais devoir décider où me poser. J'aimerais être pas trop loin de l'eau. Donc là il y a de l'eau. Là, il y a du béton. Et là j'ai du fer. J'ai des métaux souterrains. Donc ça c'est vraiment pas le droit. Alors ouais, il va falloir pouvoir aller à l'autre partie de la map. Donc là on verra pour plus tard. Je me dis... Est-ce que je peux... Ouais, je peux connecter. Bah je peux connecter tout ça, donc c'est génial. Donc on va se poser là, on est dans la zone d'influence de la fusée. Go. C'est quoi les prochains jeux que je prévois? Bah je sais pas trop, faut que je teste. Hein. En général, les vidéos sont enregistrées le jour d'avant parce que j'ai une dizaine de jeux à tester avant de trouver quelque chose que je compte présenter. Donc je sais pas trop, j'ai une liste de pas mal de jeux et j'ai pas encore décidé. Alors ça c'est... C'est une pelleteuse, c'est le dozer, d'accord. Donc ça, c'est le nouveau véhicule, il me semble. Travaille sur les projets d'aménagement du paysage beaucoup plus rapidement que les drones. Peut transporter les roches stériles utilisées pour l'aménagement du paysage. D'accord. Alors, bah déjà, on va sortir du stockage. Parce que je crois que la fusée doit arriver avec ça. Donc on va mettre du stockage. On va le mettre là. Universel. Ouais, on a 10 de polymère, 10 électroniques, 15 de pièces détachées. Alors. Introduction à la terraformation. Commencez par mener des recherches en technologie. Ouh, alors j'ai un petit quelque chose. Voilà. Ah, ODS Electro. Coucou petit renard sauvage, content de te revoir à nouveau. Fais-nous une belle colonie. Mais on va essayer de faire une belle colonie ensemble. Alors, les astuces, je les connais, donc je vais les retirer. Hein. C'est pas, y a pas besoin de les regarder. Jalons atteints, découvrir de l'eau sur Mars, chargement des drones, enfin, charge des drones élevés, secteur scanné. Aucune recherche active, alors on va faire une recherche. J'aimerais... Les fusées, les navettes consomment moins de carburant, ce serait pas mal. Amélioration des extracteurs. D'accord, donc on va déjà faire toi, récupération d'eau. Puis après, transport. Et après fusée, d'accord. Donc ça c'est les trois recherches. Donc je veux que on gère mieux l'eau. Qu'on transporte mieux les ressources avec mes véhicules et que mes fusées consomment moins de carburant pour faire des allers-retours. Alors je vais juste repositionner la fenêtre, voilà. Je reviens là. Donc ça c'est fait, ils sont en train de me ramener. On va maintenant, bon, on va extraire du béton et on va se mettre là. Alors, production de béton, on va te mettre comme ça. Tac. On est bien dans le rayon, hein. Oui, on est bien dans le rayon de la fusée, c'est parfait. On a besoin d'électricité pour le faire fonctionner, donc on va poser les deux réacteurs Stirling. Je vais les mettre dans le coin là. Et on va tirer les câbles électriques pour relier la mine. Voilà, donc ça c'est fait. Alors où vais-je mettre... Je sais pas trop. Alors je me rends compte que je n'ai pas de transporteur et je n'ai pas de gars qui fait la recherche.
Est-ce que je vais continuer Plague Tale? Je pense pas. Je sais pas. Je pense pas pour le moment. Alors, on retire ça. Un secteur à scanner. Donc, on passe en vue supérieure. Je crois qu'il me reste... Non, il me reste plus rien. Donc, je vais appeler une nouvelle fusée, parce que je vais avoir besoin de nouvelles choses. Donc, une fusée cargo, vu qu'on en a 3. Je vais avoir besoin... Alors, on n'a pas besoin de bâtiments pour le moment, parce qu'on n'a pas de gens qui vont travailler. Donc, j'ai besoin de drones. On va en prendre 5. Je vais avoir besoin de polymères. On va prendre des pièces détachées. L'électronique, les graines, on n'a pas besoin. Les sauts d'hôpital, on va faire 100. Mais je veux un transport télécommandé. Un explorateur télécommandé. Ça, c'est quoi, ça? Ah, lui, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc, pour le reste, on va prendre des drones. Et un peu plus de ressources. Je peux encore mettre? Parfait. Ah bah là, je vais avoir beaucoup de drones. Ah, je vais plus avoir d'argent là si je continue. Bon, on va s'arrêter. On va pas prendre l'électronique, on va plus de pièces détachées parce qu'on va avoir besoin de renommer les choses. On va renommer la fusée. Ça va être Fox. Alors, Fox 2, voilà. Et on la lance. Et elle va arriver ici. Bon, alors, regarde, est-ce que vous avez terminé? Ils ont pas encore terminé là. Qu'est-ce que vous faites, mes petits drones? Ah, ça y est, il démarre. Des futures vidéos sur Anno? Non, je pense pas. Je pense que je suis bon pour Anno. Pour le moment, en tout cas. Donc là, il m'amène du fer. Il trouve le fer, là. Donc, on en a pas loin. On en a d'autres. Oh, on a pas mal de filons de fer dans le coin. Ça, c'est hors de portée. Donc, j'irai envoyer mon transporteur les chercher. Est-ce que je pense revenir sur Factory Tale? Il y a tellement de questions, vous avez vu, regardez, là j'ai déjà répondu à 5 ou 6 questions. Est-ce que je vais revenir sur tel ou tel jeu? Je peux pas vous dire, je peux jamais vous dire. Parce que je ne sais pas, il y a trop de demandes. Si je dis oui, après les gens sont déçus si je reviens pas sur le jeu, donc je suis désolé, je peux pas vous dire. Bon, là, il nous manque du métal et des pièces détachées. On n'a pas assez de métal, mais là ils vont aller me le chercher, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pourquoi vous allez le chercher à l'autre bout? Venez le chercher là. On va accélérer un peu plus. La deuxième fusée est en train de venir. Donc pour le moment, je peux pas faire grand chose. J'ai juste pas assez de drones pour tout ce que je veux. Et toi, c'est quoi ton problème? T'as pas d'énergie peut-être? Lui peut pas ramasser les ressources. Hein, là, il peut ramasser que, il me semble, les roches stériles. Ouais. Charge des drones élevés. Le réseau de drones, oui, c'est vrai, tout de suite. Mais bon, il me fallait de l'électricité de toute façon avant. Le réseau de drones n'a pas besoin de ressources, donc on va... Ouh là, non, je l'ai mal placé. On va te mettre... On va te mettre là. Voilà, ça va être fait rapidement. Ouais, charge des drones, projets spéciaux. Alors oui, une chose, c'est que maintenant, alors vous avez la map. Ouh, merci Azeri. Merci à toi, petit cadeau, bah, c'est génial de ta part. Donc là, maintenant, on a des concurrents. Donc je suis ici. Mais vous pouvez voir là-bas, nous avons la colonie de Blue Sun, nous avons la colonie de Spacey, la colonie de la Nouvelle Arche. Et là, par exemple, il y a quelque chose que je peux faire. Je peux envoyer une de mes fusées pour ramener des gaz à effet de serre. Parfois, je vais pouvoir ramasser des astéroïdes et les propulser sur la planète pour faire tomber de la glace et donc augmenter la quantité d'eau. Donc là, vous voyez le niveau de terraformation, l'atmosphère, la température, l'eau, la quantité d'eau et la végétation. Hein, donc tout ça qui va avoir un impact. Si j'arrive à faire monter le niveau de la planète suffisamment haut dans ces éléments-là, je vais pouvoir commencer à planter des choses. Donc c'est de là que va jouer la... l'apportation de graines depuis la Terre. Alors là, c'est presque bon. Ici, ils ont presque relié. Ouais, j'ai vraiment pas assez de drones. Hein. Ah, vas-y. Et... Parfait. Donc là, on génère 20 d'énergie. Et... Ah, ils ont pas terminé là. Ben là, ils vont le finir. Et donc mes drones vont pouvoir se recharger ici. Parfait. Et il y a des drones qui me sont donnés. Ah, ça c'est cool. Et je peux avoir jusqu'à 20 drones et j'en ai une dizaine qui arrivent. Ouais, là ça a vraiment accéléré les choses. Alors je peux poser un autre centre de drones, mais je vais le garder si je dois aller ailleurs. Alors. Là il me manque un de fer et il va commencer la construction et on va produire. Alors, du coup, tout de suite.
Je veux une décharge qu'on va poser là. Et je veux un dépôt de béton, même deux. On va en mettre deux comme ça. Quoi qu'il arrive, ça coûte pas grand chose. Mais je crois que ça coûte rien les dépôts. Hein. Donc vas-y, ramasse-moi. Et on dirait une tête d'un gars là, regardez. Vous voyez ? Des yeux. Ah non, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. S'il y en avait deux, j'aurais dit tête, langue et bouche. Ah, alors, ah, la fusée là. Du coup, ben, je vais te ramener ici. Et on a une autre fusée qui se ramène. Donc, j'attends qu'elle arrive. On en a deux. Va falloir faire du carburant pour les renvoyer. Et alors, du coup, on ralentit un petit peu le jeu. Transport. Ah, bah toi, tu vas venir. Ah oui, non, il me faut du stockage. Ah, il me faut du stockage de fer, de métaux. On va les mettre là. Et il me faudrait un autre stockage universel. Ici, voilà. Et donc maintenant, je prends toi. Et je vais dire... Tu vas aller chercher le métal là. Et tu vas me le ramener ici. Voilà. Donc lui devrait démarrer. Il est où? Ah, il est déjà là-bas. Il est déjà là. Donc c'est parti. Il va charger. C'est cool. Côté recherche, on est à 18%. Très bien. Et alors toi, tu as de la technologie à débloquer ici. Donc vas-y. Ça va me donner normalement des points de recherche. Merci Jijou, c'est très gentil. Tu n'as pas connecté ton deuxième générateur d'électricité. Alors, quand ils sont connectés, regarde, quand on les met, ils se connectent entre eux. Il n'y a pas besoin de faire le lien. Les bâtiments se connectent entre eux. Donc, lui génère 10 d'électricité. Lui en génère 10 pour un total de 20. Donc, tu vois, les deux sont bien connectés. Bien. Alors, là, je commence à avoir mon béton. Maintenant, je vais avoir besoin d'eau. L'eau est ici. J'ai combien d'eau, là? Ouh, j'ai 10 000. Ouh, j'ai du bol, là. Il y a pas mal d'eau dans le coin. C'est génial. Donc, je vais... Allez dans l'eau. Donc pour le moment, les débuts sont similaires. Par contre, vous pouvez voir qu'on a des nouveaux bâtiments, même on a des nouveaux biomes. Dômes. Oui, on a des dômes comme ça. On en a des comme ça. Il y a des nouveaux, hein. Il y a des nouveaux trucs. Du coup, l'eau. Extracteur d'eau. Et on va te mettre là. Parfait, dans la zone. On va te connecter en électricité. Comment je vais m'y prendre? Je voudrais laisser la zone là libre. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre d'autres extracteurs d'eau dans le coin s'il y a besoin. J'espère qu'il va être connecté. Donc toi, t'as fini. Alors, anomalie analysée. 1500 points de recherche. On va finir la recherche. On a scanné une anomalie, chargé drone élevé, je sais, je fais ce que je peux. Ah, du coup, ben toi, tu vas aller faire la recherche là-bas. On va voir ce qui nous attend. Du coup, recherche terminée, il est en train de faire les moteurs martiens avancés. Ah, ça fait quoi ça, Léon? Ah oui, les moteurs et les fusées consomment moins de carburant. Amélioration de l'oxygène, ça on va le faire. Alors, ici. Il y aura toujours une rediff, Mathis. Il y a toujours des rediffs sur ma chaîne. Alors, maintenant on va stocker l'eau. On va mettre un château d'eau. On va te poser là. On va le connecter avec les tuyaux. Et une fois que l'on a l'eau, on va pouvoir commencer à générer de l'oxygène. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer à faire un biome pour... un dôme plutôt pour les humains. Anomalie analysée. Les technologies... Ah, ça a débloqué des technologies en fait. D'accord, donc vous voyez, là je peux sauter en fait. J'ai plus besoin de faire celui-là pour débloquer celui-là si je le veux. Je peux y aller directement à... Là, j'ai quelques... Ah, pour ça, c'est des technologies qui m'ont été données, mais en fait, ça m'a pas débloqué énormément de choses. Juste ça, 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 et si, si, d'accord, quand même pas mal de choses. Mais bon, ah, on verra plus tard, on a de la recherche à faire. Alors, du coup, vu que tu as fait la recherche, est-ce qu'on a une autre anomalie dans le coin? Non, ça, ça a déjà été recherché. Là, donc, tu vas là-bas. Et alors, oui, j'ai oublié.
J'ai oublié de désigner des zones à fouiller. Voilà. Va là-bas, puis après on verra pour le reste. Ça c'est beau. L'eau va être stockée, maintenant on va s'occuper de l'oxygène. Donc toi... Ah, les générateurs d'oxygène, je vais vous mettre où? On va les garder à côté. Ça, c'est fait. Alors, coopération de recherche. Un nouveau télescope spatial sera lancé pour scanner le cosmos d'un endroit encore plus éloigné que Mars. L'entreprise à l'origine du télescope, Lambda Industries, s'est associée à notre sponsor pour partager le fardeau financier. D'accord. D'accord, donc là, il nous envoie quoi? Il nous envoie 10 sondes spatiales orbitales. Là, il nous envoie des ressources. Un nouveau transport télécommandé. Ben, je vais demander des sondes. Ou alors des ressources. Les sondes, j'en ai pas besoin énormément. Les ressources, ben, je vais en avoir besoin. Là, j'ai pas vraiment besoin d'un transporteur. Allez, on va prendre les ressources. Hein. Allez-y. Voilà. Oui, pensez au petit pouce bleu si vous voulez bien. Ah, on a fait une nouvelle recherche, mais on en a une autre en route, donc pas de problème. Et là, c'est quoi ça? Prêt à atterrir. Ah, charge, d'accord, il va me donner sa charge. On va déposer, bah, on va déposer là. Donc ça, c'est une capsule qui ramène ça, c'est nouveau, je crois, également. D'accord, elle atterrit, elle largue ses choses, d'accord, bah ça, c'est bon. C'est bon pour moi, c'est très bon même. Bien, alors, côté oxygène, ah, t'as pas d'électricité, donc on va en mettre. Je crois qu'il est pas connecté là par contre. On va devoir passer comme ça. Et on met les câbles sous les tuyaux autant que possible. Un bâtiment non fonctionnel, je sais, c'est toi. Ah, l'Eurovision, c'est ce soir. J'avais complètement zappé. Merci de m'en rappeler, Abos. Ma chérie, elle adore, donc on va peut-être faire une soirée si je suis pas trop crevé. Pour être franc, vous avez vu l'épisode d'aujourd'hui que j'ai publié? Je l'ai terminé vers 5h, 6h du mat. J'ai dormi jusqu'à 9h. Je me suis réveillé. Je me suis lancé sur quelques tests pour me refamiliariser avec le jeu. j'ai pas arrêté de bosser sur des vidéos aujourd'hui. Truc de dingue. Alors, là, il va me dire qu'il est pas fonctionnel, mais c'est parce que je n'ai pas encore de bâtiment qui demande de l'oxygène. Mais avant, alors je vais avoir besoin de plus d'électricité. Donc on va venir là et on va générer... Ouh. Elle vient où? Waouh! Ouh. D'accord, il m'a pété... Ah, il m'a pété ça! Oh là là, d'accord. Venez réparer là vite, les gens. Heureusement que ouais, je vais devoir faire plusieurs chemins, du coup, pour l'électricité. Alors, mes panneaux solaires. On va les mettre... Bon, on va pas les mettre que là, on va les mettre plutôt... Allez, on va en mettre ici, comme ça, vous voyez, j'ai deux zones qui donnent de l'électricité, comme ça, s'il y a un câble qui est coupé, on n'est pas dans une sale situation. Du coup, tac. Ça, ça demande juste du fer, et j'en ai énormément, donc on va se lâcher. Voilà. Et je vais avoir besoin... de ça pour recharger mes drones ici. Et on va avoir besoin de batteries. Les batteries, ça va demander des polymères. Donc les batteries, on va les mettre. On va les mettre là. Il va falloir faire gaffe. Voilà. Donc la nuit arrive. Comme ça, on va pouvoir commencer à recharger un petit peu. Et là, je vais produire... Ah oui, je vais produire mon carburant pour renvoyer mes fusées. Donc, je laisse finir ça et on va démarrer le carburant. On va en produire là. Je dors pas beaucoup, effectivement. Je dors très peu. En tant que youtubeur ayant une chaîne et un boulot à temps plein, les heures de sommeil sont précieuses. Là, ces temps-ci, j'ai un petit peu abusé, je dois être franc, sur la chaîne.
Et il faut que je me calme un petit peu si je veux pas que ça se ressente avec ma santé là. À bout d'un moment, je vais. Il y a quelque chose qui va claquer. Bon, ah, alors, les panneaux solaires, boum, ils s'activent. Parfait, donc on va pouvoir recharger un petit peu. On est à du 34 d'énergie. Oh, bah, c'est génial avec tout ça. Alors, maintenant. Voilà, ils viennent se recharger. Maintenant, on va faire le carburant. Donc, j'ai dit que j'allais le mettre là. Production, raffinerie de carburant, on va te mettre là. Et on va le connecter. Comme ça, je pourrais en mettre d'autres là. Donc toi, t'as besoin d'eau. Ah, secteur scanné, on a trouvé une anomalie. Donc tuyau. Alors l'anomalie est où? Elle est là. Viens mon petit, en avant. Maintenant. Faut que je me rappelle. C'est où déjà que je mets les tourelles de... Les tourelles pour scanner, c'est peut-être une technologie qu'il me faut. À tour de détection, ouais. On va en mettre et on va la mettre... Je sais pas trop... À côté? Allez, on va te poser là. Elle va me permettre de scanner les secteurs environnants plus rapidement et détecter les catastrophes. Et par contre, je me rends compte qu'il y a carrément un ravin énorme. Et là, il y a une montagne. Oh là là, je vais avoir du mal à m'étendre. Hein. Ici, nous commençons à avoir de... Ouais. Des déchets, pas mal. Ah, désolé, Caribou, je parle pas de mon boulot pour des raisons de sécurité. Alors, ah, secteur scanné. Nouvelle technologie disponible à la recherche. D'accord. J'aimerais améliorer un petit peu mes fermes. Je me rappelle plus, c'est où les fermes que je les ai. Alors oui, stockage. Et on va mettre du carburant. Le carburant, on va le stocker à côté. Et donc je vais plutôt ramener mes fusées vers là-bas maintenant que j'ai ça ici. Ouh, je suis à la limite. Donc je vais probablement mettre mon autre tourelle dans le coin là. D'ailleurs, toi, le transporteur, t'as fini le... Ouais, alors tu vas revenir ici. Et tu vas me trouver... Alors il y a du métal là, il n'y en a pas d'autre. D'accord, donc tu vas me vider le métal d'ici. Et tu vas me le ramener là-bas. Même si on est à 245, ça fait jamais de mal à aller plus loin. Donc je vais bientôt faire les technologies de terraforming. Mais déjà, on fait la base. Hein. Je veux avoir des gens, je veux avoir ce genre de choses avant de me lancer. Samu, je mets des blocs pour rien dans Castle Story, mais c'est exprès. Je veux pas économiser les blocs et faire des trucs nazes. Je préfère faire beau et sérieux. Alors, bah je pense que je peux aller sur le... On va faire le dôme, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de... Ah, alors là, on a maintenant la possibilité de carrément envoyer de faire un... Ah, j'y arrive jamais, un dôme avec des choses préconstruites, mais on va plutôt se lancer sur un rudimentaire que je vais poser... Pas connecté. Pourquoi te mettre là? Ou alors je pourrais me lancer vers là-bas. Là, il y a l'air d'avoir plus de place. D'accord, on va se lancer vers là. Boum. Donc. Électricité. On va avoir besoin d'eau. Donc on va tirer un câble. Un tuyau plutôt. Voilà. Parfait. Et alors là, il va y avoir beaucoup de boulot à faire. Il faut 80 de béton, 20 de fer, on a le fer. Il nous faut 10 de polymères. Il nous reste plus que 7 de polymères. Donc je vais devoir très vite. Alors là, t'es à 11. Ok, donc on va prioriser la fusée là, parce que je veux la renvoyer elle. Alors j'en ai une autre encore, s'il y a besoin de polymères. Mais je vais prioriser le remplissement de celle-ci. Et j'aimerais bien avoir peut-être quelque chose d'autre pour faire du carburant. Je sais pas si je vais pouvoir. Pas de ressources, d'accord.
Ouais, il y a un nouveau DLC qui vient de sortir sur le jeu qui change énormément de choses. On peut terraformer la planète, donc avoir une planète où les gars n'ont plus besoin de vivre dans des dômes. Ils peuvent sortir à la fin du jeu sans combinaison et explorer le monde. Ce qui va vraiment changer les choses. D'ailleurs, si je vais aller vers là-bas, bah tiens, je vais vous montrer également quelque chose qui a été rajouté. Donc, on va dans la partie aménagement du paysage et je vais faire une rampe. On va faire la rampe là. Et regardez, vous voyez, je peux terraformer. C'est quoi pour agrandir, c'est ça? Ouais, vous voyez, on peut terraformer si on veut. Et je peux également aplanir. Et je peux aplanir le terrain, si jamais je veux, pour qu'il n'y ait plus de trous, qu'il n'y ait plus de montagnes et tout. Ah, ils sont déjà en train de le construire, ils ont été rapides. Et... Milestone achieved. Parfait. Et Azeri, je viens de voir qu'il me restait ça sur PayPal. Ben, c'est gentil, alors te force pas Azeri. Hein. Mais vraiment, merci à toi pour le coup de main. Alors, secteur scanné. Alors oui, je vais renvoyer, construire un dôme. On a gagné des points de recherche. Et... On va te mettre là, d'accord. Est-ce que je peux avoir les deux? Je pense que je peux avoir les deux là de fer. Les deux petits filons. Et tu vas me ramener le fer là-bas. D'ailleurs, on est à combien de pouces bleus, les gars? Parce que moi, je peux pas le voir depuis mes logiciels. Il faudrait que je rafraîchisse la page. Je suis curieux de savoir où on en est pour voir si on pète les records d'avant ou pas. Alors, ici, alors oui, on va aménager maintenant là. Normalement, il devrait plus se plaindre. Ouais, l'oxygène ne se plaint plus. On est bon. Il envoie de l'oxygène ici. Alors, le chemin est long. Alors, j'ai peur que ça casse. Donc, il faudra peut-être doubler un petit peu. Mais en attendant, on va mettre un complexe d'habitation. On va mettre un laboratoire de recherche, peut-être un peu après le laboratoire. On va mettre le principal. Hein. Ensuite, il me faut... Ah, 600, ouh, vous allez vite les gars. Donc il me faut une épicerie que l'on va poser là. Ensuite, il me faut un bar pour le moral des gens. Et je crois que c'est tout ce dont j'ai besoin. Ah, il me faut également de la nourriture. Alors, j'aimerais vraiment voir la ferme. La dernière fois, elle m'avait l'air d'être plus proche au début de la liste dans ma partie d'avant. Est-ce que les choses sont peut-être positionnées aléatoirement? Donc, je vais... Donc, je vais devoir faire 100. On va mettre une ferme... de sécurité, c'est une tourelle normalement si je me rappelle bien. Research complete. Ah, c'est là. Voilà, ferme hydroponique que l'on va poser là-haut. Très bien, recherche terminée, moteur martien avancé, parfait. Ensuite, là on est en train de faire le filtrage magnétique pour pouvoir faire plus d'oxygène avec le même appareil. Mais avant, après plutôt. Production d'eau augmentée. Ah, la ferme fongique. Donc c'est ça que je veux faire avant. Alors je suis désolé. On va annuler ça. Je veux déjà la ferme. Fais-moi déjà la ferme. Et après, on va faire ça là-haut. Parce que je vais annuler la construction de toit. Voilà. Et on va faire la ferme avant d'inviter les gens. Donc bâtiment non fonctionnel. Quel est le bâtiment non... Ah oui, c'est parce que là, il n'y a pas de gens qui bossent dedans. Donc c'est normal. Ici. Ah, la fusée peut repartir. C'est bon? Alors, vous. Je vais vous attribuer... Là. Voilà. Et toi. Éloignez-vous. Voilà, on renvoie la fusée. Et un petit peu de points de recherche, parfait. Elle est repartie. Alors, on a toujours celle-ci. Mais on a déjà commencé à la remplir. Ce qui est parfait. Et j'ai toujours la capsule, là. Ouais, je peux la démonter pour récupérer du fer de la capsule. Génial. Je m'y attendais pas. Est-ce qu'elle est dans le rayon d'abord? Oui, elle est dans le rayon. Ouais. Et ils l'ont déjà démonté. Bah dis donc, t'as été rapide. Côté énergie, on est bon. Ça, c'est plein. Bon, alors, du coup, vu que j'ai un robot qui ne fait rien, on va commencer le terraforming. On va faire une pente.
Mais quelle la quantité, c'est bon, ouais. Sector scanned. J'espère que c'est bon, là. Je crois que j'en ai bon, ouais. Du coup, alors, celui qui va s'en occuper est le... Lui, go. Et c'est lui, le premier doseur, enfin le doseur qui nous a été donné, le premier véhicule. Donc, il va aller là-bas, il va déblayer. Et il va aller chercher après la roche qui est produite par nos mines de béton. Parce que vous voyez... Bastien, coucou Dan, merci de nous préparer une planète viable pour le futur de l'humanité. Bonne continuation, j'adore ce que tu fais. Bah merci à toi. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu ne fais rien, alors je vais... Ah peut-être qu'on est en dehors. Alors je vais le faire venir et prendre la roche qui est là. Donc, tu vas ramasser la roche stérile et tu vas la ramener là-bas. Normalement, il aurait dû travailler directement, mais il avait l'air de rien faire. Côté recherche, on est à 23. Alors ça m'inquiète un peu. Parce que ça va délayer l'arrivée des humains. Donc je vais devoir... Ouais, bah, on va faire temporairement de la nourriture. On va appeler avec ça. Et après, on va appeler les humains et on va voir. On va voir ce qu'on fera après. Alors, toi, tu ramasses... Vous voyez, avant on ne pouvait rien en faire et maintenant on a petit quelque chose. Donc tu viens là, va là-bas. Ah, portée du contrôleur de... Il faut que le porteur de drone... Donc lui ne va pas travailler sur ça si c'est à l'extérieur, d'accord. Mais on va le poser maintenant. C'est lui. J'en ai un là. Ah ouais, mais... Non, c'est bon, il travaille là, non? Il travaille. Lou, il me restait ça sur PayPal. Merci les gars, vraiment gentil. Et lui, il a bien démarré. D'accord, il a bien démarré. Même si c'est les drones qui peuvent pas venir là. Mais voilà. Donc merci les gars pour les tips. Vous êtes vraiment géniaux. Géniaux, je vais arriver. Alors, ça c'est fait. Bon, maintenant on va appeler des humains. Donc on va aller. Je pense que j'ai tout. Hein. J'ai l'oxygène, j'ai l'eau et j'ai la nourriture. Donc fusée de transport. Et on va appeler Fox 1. Et alors, on va trier un petit peu les gens qui viennent. Déjà... Dans les groupes d'âge. Pas d'ado. Pas d'âge moyen et pas de papier. Ensuite, je vais regarder un petit peu en job. Non, les talents, ça m'intéresse pas. Spécialisation. Je veux pas de gars sans spécialisation. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Je veux des scientifiques, des ingénieurs, je veux pas d'agents pour la sécurité pour le moment, et je veux tout le reste. Donc on applique. Donc là, j'ai un petit peu de tout, j'ai que un géologue pour les mines. J'ai peut-être trop d'ingénieurs, donc on va retirer un ingénieur et on va trouver un géologue. Les botanistes, on va en avoir besoin. Docteur, on en a peut-être trop, je pense un docteur suffira. Donc on va retirer toi, et on va prendre un botaniste supplémentaire. Voilà. Et donc là... En avant. Et l'autre va pas tarder à arriver. Et toi, t'es moitié plein. Sers-toi du drone commandé pour l'aider avec les petits drones. Alors, j'ai pas de drone commandeur, là, pour le moment. Lui est également vraiment plus rapide que les drones. Donc, je ne vais pas envoyer de drone ici. Si lui peut travailler seul, ça me convient largement. Donc là, il a mis... Cela, j'hésite toujours. Allez, on va être fou et on va mettre le réseau de drones ici. Sector scan. Voilà. Et on va tirer. Là, c'est plus parce que je pense que ça va accélérer peut-être le boulot plus que envoyer des drones. J'ai pas besoin de drones là-bas. Alors, si vous faites les dons par le lien qui est sous le dans la description, YouTube ne prend pas une part des dons. Hein. J'ai désactivé les dons au travers de YouTube parce que YouTube prenait tellement de choses. Il me mettait des frais de transfert, des frais de conversion de euros à dollars, que ouais, c'était juste ridicule. Donc ça, j'ai désactivé complet. Genre, sur un type de 5 euros... Je reçois genre 80 centimes si c'est au travers du tube. Parce qu'ils prennent 40%, ils me font des frais de transfert de PayPal, ils me mettent donc une conversion euro-YouTube, enfin euro-dollar, vraiment à leur avantage. Puis après, c'est envoyé au travers de PayPal, il y a une autre. Il y a d'autres frais, enfin vraiment, c'est le bordel. Donc, ouais. Donc là, j'ai désactivé. Je
me dis, hein, vous faites pas des types pour financer YouTube, c'est plus pour moi, hein, je pense. Donc c'est retiré, j'ai laissé ce standard au travers du lien qui est en bas. Alors, coopération de recherche. Le télescope spatial de Lambda Industries fonctionne comme prévu. C'est l'analyse de données qui ne sont pas très efficaces. La quantité d'informations que le télescope envoie vers la Terre est considérable et ils éprouvent des difficultés pour tout traiter. Donc ils veulent que je fasse des recherches sur la technologie d'analyse. D'accord, mais bon, pour le moment, on veut déjà améliorer notre endroit. Et là, nouveau projet spécial, lancer un satellite SETI. Et pour cela, il me faut 50 de carburant, 30 d'électronique, 50 de fer. Ouh, l'électronique, ça fait mal. On va attendre un petit peu avant de le faire. Des nouvelles anomalies planétaires ont été détectées. Voilà. Là, il n'y a pas d'autre. D'accord. Alors, la fusée est en route. Toi, plus que 5 de carburant et tu vas pouvoir partir. Ça, c'est vraiment un grand projet. Hein. Alors, je sais pas s'ils ont commencé à aplatir. Pas encore. Hein. On est vraiment qu'au début. Alors, ça y est, on va vous poser là. Donc là, la fusée est prête, et maintenant, si je veux, je peux l'envoyer en expédition. Pour, par exemple, capturer des astéroïdes de glace et les balancer sur la planète. Par contre, il me faut beaucoup de carburant, il me faut des pièces de rechange. Donc c'est très jouable. J'en ai 44, mais je préfère attendre un petit peu. Ah, alors, mauvaise récolte. Ah oui. Donc là, les 12 fondateurs sont arrivés sur Mars. Donc les terriens, à partir de maintenant, on va commencer à avoir des vrais martiens, donc qui vont naître sur Mars. Mais je dois tenir 10 seuls avec ma colonie pour prouver qu'elle peut survivre. Donc pour le moment, je vais pas pouvoir amener d'autres bonhommes. C'est pour ça que je voulais faire le dôme le plus vite possible. Ouais, donc les gars arrivent, regardez-les. Et le gars, il arrive, il va faire dodo. Dodo. Ils vont tous faire dodo dès le début. D'accord. Ah, les drones ramènent la nourriture. Parfait. Donc ça, c'est bon. Ici, tu me fais quoi? De l'herbe à blé? Non. Tu vas me faire des feuilles. D'accord. C'est vraiment pas terrible à ce qu'il me propose. Hein. J'espère que ça produit rapidement. Côté recherche, est-ce que j'ai débloqué? Pas encore débloqué la ferme, on est à la moitié. Ouais, elle est à la moitié, d'accord. Fais-toi une plateforme d'atterrissage. Alors ouais, elles sont pas mal, je sais pas combien elles coûtent par contre. Alors toi déjà, on va te renvoyer. Oh, les drones vont être endommagés là. Ah, j'aurais dû les virer avant. Mais bon, ouais, ils vont les réparer. Du coup, ouais, alors les plateformes d'atterrissage vont me coûter combien? Oh, 10 de béton. D'accord. On va te la mettre là. Non, on va la mettre quand même un peu en retrait parce que je sais pas trop. On va la poser là. Normalement, ça devrait protéger les environs de la fumée. On va voir. Hein. Je sais pas si c'est bien le cas, mais on va te poser là. On va faire un test, si c'est bon, je vais en mettre une autre, peut-être ailleurs, ou peut-être là, on va voir. Alors, le DLC permet de terraformer la planète, ça change vraiment énormément les choses. Vous voyez, là, on est déjà en train de nous faire... Alors, j'étais vraiment... j'ai vu gros, là. Je regrette un petit peu. Mais là, on est en train de se faire une pente, vous voyez, de virer la colline, pour que je puisse envoyer mes gars explorer là-bas. Ah, alors toi, tac, tac. Alors là, j'ai pas grand-chose, hein. Il faut vraiment que je puisse aller là-bas donc, le plus vite possible. Sinon, j'aurais pu faire un tunnel hein, pour descendre, mais là, c'est mieux. Ouais, donc, je préfère... Ah. Ouh, déjà fait. Secteur scanné. Parfait. Là, le drone vient de donner un coup de main. On transporte la roche stérile. Je sais pas si... Je crois que ça a commencé à être aplati un peu. Hein. Je sais pas. Je crois que là, ça... Oui, là, c'est aplati. Vous voyez, à cet endroit.
Et encore le reste est en travaux. Alors, les gars, est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous tenez le coup? Côté confort, il manque des bâtiments de service, un diner, d'accord, un restaurant. Côté moral, ça a l'air bon. Ah, ouh, on est bas en électricité. Alors oui, il fait nuit. Regardons un petit peu. Aucun contrôleur de drone à proximité. Ouh. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, je vais devoir renvoyer. Je vais renvoyer tout de suite une fusée. Du coup, fusée cargo. Je vais avoir besoin de bâtiments préfabriqués. Donc, je veux un réseau de drones. Je veux petite usine de pièces détachées. Alors, je peux en prendre une grosse. On va essayer de prendre une grosse usine à polymère. Usine d'électronique. Ok, j'ai pu faire ça. C'est déjà bon. Ensuite, j'ai besoin de nourriture. Et de ça. Ah, il me reste une tonne. Enfin, oui, une tonne. D'accord. Et toi, tu vas être Fox 3. Très bien. Je pense qu'on est bon. J'ai rien de... Ouais, on va la lancer. Alors, j'espère que la récolte est dans pas longtemps. Ouh, la récolte est dans longtemps. Je peux pas... Pourquoi je peux pas mettre une deuxième? Peut-être il me faut... On va voir, on va voir. En tout cas, dépêchez-vous d'arriver, parce que là, côté nourriture... Ah, non, c'est bon. Ok, c'est la nourriture en stock, j'en ai là encore. Heureusement, tu m'as fait un peu peur, là. Hein. Oh, la vache! Je me suis dit, mince, mes gars, ils vont mourir de faim. Là, par contre, ouais. Alors, on est bon en électricité, mais de peu. Et là, ils ont vraiment besoin d'entretien. J'ai une chaîne secondaire, mais elle est plus active. Hein. Vous pouvez l'ignorer, la chaîne secondaire. Je vais rien faire dessus. Avant, je faisais les rediffusions en live là-bas, mais c'est fini. Les gars, là, vous allez avoir besoin d'être réparé vite. Alors, dépêchez-vous. Je vais avoir besoin tout de suite. Ouais, je vais devoir attendre que la fusée arrive, parce que je veux mettre d'autres panneaux solaires. Ou alors, peut-être mettre... Ça, ça a l'air pas mal, une grande éolienne pour la nuit. Ouais, on va attendre, on va attendre. Je pense que de toute façon on peut tenir. Et ah oui, je peux venir. Mes gars sont là-haut. Et je peux les ouvrir de toute façon. Pour augmenter leur production, pour doubler la production. Ils vont redemander un peu plus d'entretien. Mais vous voyez, moins de pertes pendant la nuit, ce qui est... ouais, on est plus tranquille là. Charge des drones élevée, il me faut plus de drones, non. Mais je peux pas encore en fabriquer, donc il faudra en amener d'autres. Resources are low. Peu de polymères, d'autres arrivent, pas d'inquiétude. Et là, il nous reste 7 seuls, donc 7 années en gros, à tenir avant de pouvoir avoir d'autres humains qui vont arriver. Je vais essayer de booster un peu le moral des gens. Donc on va construire une infirmerie, si jamais ils tombent malades. Et si vous voulez, est-ce que vous avez besoin d'exercice, les gars? Faut de la détente. Ils ont déjà un bar d'espace. Ouais. Je sais pas trop quoi leur mettre d'autre. Un restaurant. Parfait. Alors, il est arrivé. Donc, on va te poser là. Boum. Et on va voir quel va être l'impact sur le sur la poussière. Ouais, si vous êtes intéressé, le pass de saison du jeu est plus intéressant que d'acheter... individuellement les DLC. Là, il y en a deux qui sont sortis, un pour l'élevage d'animaux et surtout celui qui m'intéresse, celui pour le terraforming, qui coûte presque autant que le
le Season Pass. Alors, un bâtiment n'est pas fonctionnel. Lequel? Je sais pas trop. Alors, par contre, tout de suite... Ah, anomalie trouvée. Alors, on va te poser... Alors, je dois te mettre là. Voilà. Alors, quelles ressources sont basses? La nourriture. Ben, on en a un petit peu, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Et on en a, là. Et ah, d'accord. On va envoyer la recherche là, tout de suite. Puis après, on va l'envoyer là-bas. Ici, alors, on a du fer. Je suis content d'avoir plusieurs filons de fer, pas loin. J'espère que je vais pouvoir, oui, je vais pouvoir le fouiller. Alors, j'ai toujours un bâtiment qui n'est pas actif et je ne sais pas c'est lequel. Pourquoi vous pouvez pas me dire? Ah, ce serait... ah, c'est toi. Oui. Bien entendu. Il faut de l'électricité. Donc, venez les petits. Tu répares. Tu me fais les câbles. Dans le jeu, les sols, c'est des années. Hein. Sol, c'est le temps que la planète met à tourner autour du soleil. Il faut pas tenir 10 jours hein, sur lui, hein, c'est 10 années. Alors moi, je dis une grosse bêtise, mais il me semble vraiment que c'est ça. Hein. Parfait. Ah! Et ça, booste la production de recherche dans le rayon d'un dôme et ou hors de complexe de recherche. D'accord. Donc, ah, il me faudrait mettre un dôme dans ce rayon-là pour pouvoir profiter de ça. D'accord. Côté haut, ou côté haut, il va me falloir booster la production. À moins... Non, on est à 2.6 sur 4. Donc là, on peut continuer, il n'y a pas de problème. Je commence à avoir un petit peu de stock de roches stériles, mais je pense qu'ils doivent l'amener de toute façon là-bas s'il y a besoin. Deux bâtiments non fonctionnels, par contre. Là, lesquels? We've just found the wreckage of Phobos 2. The old probe even had some new data for us to analyze. L'emplacement de plusieurs anomalies a été découvert. D'accord. Trois anomalies. Peut-être grâce à ça, je sais pas. Donc toi, tu vas là-bas. Et il y en a d'autres là-bas un petit peu loin. Ah, toi. Toi, t'es prêt à repartir. Hop là, on voit la fusée qui s'en va. Un sol est égal à un jour, d'accord. Donc c'est moi qui ai dit une bêtise. Et ben là c'est un petit peu plus plat, hein. Petit à petit, vous voyez, ça s'aplatit, le gars travaille dur, mais... Alors, je vais juste faire... Ben, je crois qu'il va aller rechercher tout seul des ressources. Donc là, ils ont commencé à réparer les panneaux solaires. Le Castle Story, c'est demain, chaque chose, hein, pas tout le temps la même chose. Bon, alors je pense que je vais pouvoir commencer à extraire du métal, là, ou... côté recherche, regardons. Elle est lente la recherche là, pourquoi? Pourquoi les champignons de basse gravité mettent autant de temps à être recherchés? 1500 de points de recherche. Milestone achieved. The analysis tells us that we've found iridium-rich sulfides. Réduit le coût des technologies physiques de 10%. C'est effectivement génial. Toi, t'as fini. Tu continues. On va aller là. Ici. Je vais pouvoir commencer. Alors la production, alors il me faut du métal avant, mais on en a pas mal. On peut aller le chercher. Donc je vais faire production à polymère à partir d'eau et de carburant. Est-ce que j'ai pas beaucoup de carburant pour le moment? Usine électronique. Produit de l'électronique à partir de métaux rares. J'ai pas de métaux rares. Pièces détachées. Ah, c'est ça que je veux. D'accord. Donc on va le mettre dans le rayon de là. Il faut le mettre à l'intérieur. Oula, carrément. D'accord. Ça prend beaucoup de place, mais... Ok, allez, on y va. On le retirera s'il le faut. Là, il y a
il y a bientôt plus de place pour les gars, donc il faudra mettre une autre maison. Et là, je vais mettre une ferme et je vais retirer celle-ci après. Donc, on a déjà eu la première récolte. Pas de ressources, un bâtiment non fonctionnel. Ah, c'est toi. Le bar de l'espace, il faut des gens. Alors, je vais diminuer le nombre d'employés. On va en diminuer d'un. Comme ça, il y a un bonhomme. Ah, bah là, il y en a deux maintenant. Je peux te remettre. Ah, c'est juste qu'il n'y en a pas pour la... D'accord. On va faire ça. Ça. Comme ça, le gars va devoir venir travailler là. Oula. Ouh. D'accord. You'd think the explorer had found buried treasure the way our scientists were reacting. It was a rich. Donc soit je prends 1000 points de recherche maintenant, soit je diminue 10% le coût de technologie d'ingénierie. On va diminuer les 10% en moins sur la durée, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, je pense. Et là, voilà, il y a quelqu'un qui travaille partout. Donc les gars devraient être vraiment plus heureux. Et normalement... Ah, toi, tu peux repartir. On va garder la fusée là, parce que je veux peut-être... l'envoyer faire chercher un astéroïde et le ramener. Mais avant, je voudrais mettre une autre. Mettre là, je vais pas le mettre à côté parce que je veux de la place là pour les métaux rares. Il me faudra mettre par contre un dôme à côté. Ah, j'ai de la recherche à faire là. Donc toi, tu vas revenir. Et maintenant ici. Ah, il faut la recherche adaptation au sol. Il faut une autre recherche. Ah, adaptation au sol. Ah, c'est toi. Donc, on va retirer le filtre magnétique. On te mettra après. Déjà, adaptation purée, 2000 points. Ouh, ça a picoté, ça. Mais bon, on est déjà à 4 sols. C'est parfait. On veut de l'herbe sur Mars. Ben, vous allez en avoir de l'herbe. Une fois que les bases sont là. Et lui, ah, lui, il a terminé. D'accord, il n'est pas allé chercher. La roche terrible, il faut l'envoyer manuellement. C'est bizarre, cette histoire. Ah, toi, tu vas faire la recherche. Avant, je crois... Ah, c'est peut-être parce que c'est trop loin. On fait le plein. Voilà. Et refait le boulot là-bas. Alors oui, maintenant que là c'est réparé, je vais mettre la nouvelle éolienne. Pour avoir de la production la nuit. Ça me demandera 2 pièces de rechange. Boost d'altitude 40%. Ah, je peux te mettre plus haut. Alors ouais, le problème c'est que... Bon, on est déjà suffisamment haut. Hein. Je pourrais peut-être en gagner plus en allant là-haut, 81%, mais je peux pas. Je peux pas aller là-bas, donc on va te mettre, tac, ici. Regardez-les. J'ai les ranchs, je pourrais les faire, ouais. Mais déjà, chaque fois, ressources faibles de nourriture. Afficher le message. Ouh, gain de financement de 500 millions. Building a new home on an alien world. Takes guts, to say the least. D'accord. Donc un méga vient de gagner le trait enthousiaste. Pas beaucoup d'électricité. Alors mes batteries sont pleines. Donc enfin pleines, elles sont assez pleines. Moi ce qui m'inquiète là c'est la nourriture. Je vais devoir envoyer une fusée avec de la nourriture, je pense. Alors justement, si je veux envoyer un astéroïde, donc on va regarder ce qu'il me faut. Et je vais compenser avec... je peux déjà faire des pièces de rechange là, c'est ça? Ouais, des pièces détachées, ouais. Donc je vais regarder, on va sur la planète. Genre... Il me faut 15 pièces détachées et 100 de carburant. Donc c'est très jouable. On va envoyer une expédition, donc Fox 3 qui est prêt.
qu'il va. Il avait déjà de. Oh, il a remis à zéro le carburant, il a tout perdu. D'accord. Bon, on va envoyer notre carburant. Et les pièces de rechange, on va les faire de toute façon dans notre usine, donc il n'y a pas de problème. Par contre, je suis pas content là que j'ai perdu les 30 de carburant qu'il y avait dans la fusée. Je crois qu'ils ont disparu simplement. Donc c'est pas trop juste. Alors, est-ce que j'ai. Non, j'ai pas d'autres recherches dans quoi. Et l'éolienne nous fait combien? 14 d'énergie. Ah, il tourne bien. Il te faut un immeuble en plus. Alors, il me faut pas d'immeuble en plus, parce que si tu regardes, j'ai 12 colons et j'ai 14 places. Je ne peux pas avoir de nouveaux colons avant 3 seuls. Donc, pour le moment, les bâtiments ne servent à rien. Ah, un sextecteur à scanner. Alors, hop, hop, hop. Vas-y. Puis après, on ira scanner en bas, et puis... Faudra peut-être qu'après je spécialise un petit peu mes dômes. Charge des drones élevés, je sais. Donc là, nous avons quand même... Oh, je pensais qu'on n'avait pas de nourriture, mais en fait, on en a pas mal. Alors, regardez. Il y en a 1, il y en a 8, 9. Là, nous en avons 9, ça fait 18. 21 avec les 3 en stock, finalement, on n'a pas de problème, les gars. Arrêtez de me faire peur. Ils me font peur, le jeu, là. L'éolienne qui ressemble à une cage de hamster, ouais. Mais ouais, je me dis de toute façon, les éoliennes terrestres ne sont vraiment pas appropriées pour, je pense, l'atmosphère sur Mars. Ouais, non, pas de problème pour les ressources. On est à 9% de la recherche. Donc, par contre, je pense que je vais quand même devoir envoyer une fusée pour amener un petit peu de nourriture. Là, on va en gagner une dizaine. Je sais pas... Donc attention à ne pas faire travailler les gens la nuit. Parce que là, ils vont pas du tout aimer. Je pense que je peux faire 2 équipes sans problème. Alors. Regardez. Regardez, là, on voit... Ça dépasse pratiquement plus, là. Petit à petit, hein. Ça va devenir bon. Alors, par contre, je sais pas où on est quoi, 40%. Oh là là, j'ai vu trop gros, quoi. J'ai juste vu trop gros. Alors, toi. Il nous manque 71 de carburant. Et le problème, c'est que j'ai pas d'autres générateurs de carburant. 12 par sol. Ah ouais, il m'en faut une autre. Bon, alors. Autre fusée. Ah ouais, le problème, c'est que si j'envoie une fusée cargo, j'aurai pas assez d'argent pour envoyer de nouveaux gens. Donc, on va attendre. Alors, je peux faire des jobs sur la planète. Genre... si je fais ça, ils vont me payer 2 milliards. Il faudra 50 de carburant... 30 d'électronique, 50 de fer, donc ça vaut largement le coup. Le souci, ouais, j'ai assez d'électronique, hein. Je pourrais à la rigueur le faire, mais mon problème c'est le carburant, et je pense que si je change de mission, ils vont me faire perdre le carburant qu'il y a là-dedans. Donc, on va attendre d'aller chercher l'astéroïde, le propulser sur la planète. Merci démon de Mive. Alors... Je vais faire une autre éolienne, parce qu'on est toujours un petit peu juste, surtout pour la nuit. Le problème d'éolienne, c'est qu'elle demande plus d'entretien. Ouais, elle demande plus d'entretien que les panneaux solaires. Mais bon, elle fonctionne tout le temps par contre. Donc plus que 2 sols, et je vais pouvoir... Et je vais pouvoir ramener des nouveaux bonhommes. Et donc faire d'autres entreprises. Par exemple, commencer à extraire le minerai rare. Parce que là, on fait même du minerai standard, du fer. Pour le moment, on dépend des filons qu'il y a à la surface. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a d'autres? Regardons. Ici, il y en a. Du métaux. D'accord. Donc, je vais t'envoyer. Ici, tu prends tout. Et tu le ramènes là. Tu n'avais pas déjà ramené des plans d'une autre raffinerie? Je leur ai fait. Est-ce que... Non, j'ai pas ramené. J'ai ramené des usines de polymères, des usines électroniques et des usines de pièces détachées. Très bien.
Côté recherche, elle est super lente. Il me faut un centre de recherche parce que sinon je vais jamais progresser là. J'ai des scientifiques, on va voir si je peux les mettre parce que... non, oups. J'en ai pas mis, hein, non, j'en ai pas mis. D'accord, on va le mettre dedans et je vais voir quel job je peux sacrifier. Parce que, voilà. Ah là, on a 12 de nourriture, on est remonté. On est remonté et on en a toujours 9 et 9 là, donc on est bon, finalement. J'ai peut-être pas besoin d'importer de la nourriture. Particulièrement si j'arrive à faire ma ferme. Alors. Pour toi, il me faut de l'électronique. Ouh, après, je vais plus avoir assez d'électronique, du coup. Alors, secteur scanné, charge élevée, je sais. Un seul et 6 heures restant. Donc, c'est effectivement des journées, vous voyez. 5 heures, hein, donc... Oui, j'ai des usines à placer, mais je ne les place pas parce que j'ai pas de main-d'œuvre pour. Il faut faire très attention au début quand on n'a pas assez de main-d'œuvre. Parce que si je mets des usines, qui va travailler dedans? Elles vont consommer l'électricité, elles vont rendre l'intelligence artificielle folle. Donc faut faire gaffe à ça. Alors, restaurant. On a deux gars qui travaillent là. Donc je vais bloquer ça. Là, la nourriture est importante, j'aimerais pas la retirer. L'infirmerie. Alors, on va retirer. Un gars. Voilà. Et j'espère que tu vas venir... Ah. Ah bah les colons, ils travaillent déjà dedans. Donc finalement, je te libère. On va voir. Et donc là, on va générer plus plus de points de recherche. On va voir, là on est à 100 points. Votre attention, s'il vous plaît. Notre sponsor nous informe qu'en raison de changement des conditions économiques, le prix d'import d'une ressource essentielle va bientôt augmenter. Le prix d'import de nourriture va augmenter de 100%. D'accord. Je peux rien faire, bah compris. D'accord. Je vais pas en importer, de toute façon, je vais bientôt faire la recherche pour faire ma propre nourriture. Alors, la porte vers les étoiles. Un homme né sur Mars pour la première fois. Ouh, notre premier gars. Les colons ont toujours été comme une famille, mais pour renforcer et unifier une famille, il faut la promesse d'une nouvelle vie et d'un futur meilleur. Nous avons reçu l'honneur d'une responsabilité gratifiante, celle de porter la torche de l'espoir. D'accord. La colonie a reçu une évaluation positive de... Ah bah tiens, du coup, j'ai peut-être pas besoin d'attendre. Et c'est pour ça que j'ai avancé d'un coup. Et alors, Spacey qui nous contacte. Alors, on peut faire du commerce, mais j'ai rien pour le moment de poser. D'accord, donc Spacey, alors ils sont là, et ils s'entendent bien avec nous. D'accord. Alors, on peut faire des opérations secrètes, maintenant. Donc je peux cliquer sur eux, et je peux envoyer une fusée pour voler des drones, voler des technologies, recruter des colons. Par contre, ça va avoir un impact sur ma réputation auprès d'eux. Hein. Mais on peut faire des trucs un petit peu louches. Hein. À côté de l'icône pour fermer le bâtiment, tu peux demander d'avoir que des spécialistes. Mais de toute façon, là, j'ai que les scientifiques. C'est l'icône pour fermer. D'accord. Ah, d'accord, exiger les spécialistes. Voilà, voilà, d'accord. Par contre, il n'y a plus personne qui travaille là, mais on peut recevoir des nouveaux bonhommes. Alors, je vais maintenant faire un nouveau bâtiment pour avoir... C'est quoi ça? Ah, d'accord. Site de boisement. Alors, je peux pas encore le faire, mais ce sera pour plus tard. On revient là. Je voudrais un autre logement. Alors, je peux te mettre là. D'accord. Ah ouais, mais si je fais ça, je vais pas pouvoir faire ma ferme. Je dois faire un autre biome là et le relier avec un couloir pour que les gars puissent aller travailler à côté. C'est ce que je vais faire une fois. Déjà, je vais avoir suffisamment de colons pour les différents jobs. Là, vous voyez, on galère tellement que... Voilà. Il y a une vision où on peut voir la force du vent. Ah, je pense pas. Si je sélectionne... Je pense même pas qu'il y ait une vraie variation de la force du vent. Genre, on a un bonus, je pense, en fonction de l'altitude là où on est. Pas beaucoup de nourriture. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, avant de recruter les nouveaux, peut-être faire un autre biome.
Celui-là va coûter moins cher. On va le mettre là, d'accord. On va essayer. Aucun contrôleur à proximité. Je peux te mettre là, par contre. Donc, c'est parti. Il y a un contrôleur à côté. Donc on va te mettre là et on va voir ce que ça va donner. Je vais pas mettre beaucoup d'habitants dedans. Je vais juste faire un endroit où les gars peuvent aller travailler. Par contre, je vais peut-être te rapprocher finalement un petit... Ah, un gars est devenu alcoolique. Alors, je vais juste annuler rapidement parce que je vais te mettre plus proche au cas où. Alors, par contre, je peux pas le tourner comme je veux. Non, je suis toujours pas content. Il me faut un petit peu d'espace parce qu'il y a également autre chose. Ouais, je sais, j'hésite un peu. Mais on a des arches comme ça, donc il me faut des passages. Ah, d'accord. Donc, il me faut mettre finalement un petit peu, tout petit peu de distance. Genre là. On va essayer comme ça. On va voir. Voilà. Là, je crois que je suis content. Alors, du coup, électricité. Tuyau. Et on est parti. Et donc là, je pourrais mettre au moins une ferme. Faible côté nourriture. Blue Suns Corporation va scanner une anomalie planétaire dans trois jours. D'accord, là, pas assez de gens. D'accord. Alors, toi, tu en es à où côté carburant? À 68. Ouais. Ouais, n'oublie pas le petit pouce bleu. Bientôt à 900. Vous êtes à 900 pouces bleus. Dis donc, bah c'est la folie. Ah, là. Oh, la pente se forme. Hein. Regardez. Caméra qui part en vrille. La pente se forme. Il reste encore un petit peu pour rattraper, vous voyez, la pente. Mais là, ça devient bon. Est-ce qu'il a encore des cailloux sur lui? Ouais, il a encore 39 cailloux sur lui. Et on est à, je dirais, à 80%. Ouh, ça devient bon. Et on va vers là, d'accord. Ouh, météore qui est tombé. Ouh, regardez, ça tombe. Ça tombe autour, c'est bon, il n'y en a plus. C'est bon, c'est pas tombé chez nous, c'est le principal. Alors là, le fer, et ben, on a ce qu'il nous faut là-haut pour ses ressources, donc pas de problème. C'est quoi le bruit? J'ai cru entendre un... D'accord, j'ai l'impression qu'il y avait des fusées ou autre chose qui se ramenait. Ouh, on est déjà à 1000. Oh bah dis donc, génial, merci. Alors, au passage, je ne sais pas si vous savez, mais le live du dimanche dernier était exceptionnel. J'étais en live le premier français, je crois. Alors, je sais pas, le premier français toute catégorie ou premier français en jeu vidéo et également deuxième mondial ou un truc du genre sur YouTube. Donc, c'était quelque chose de dingue. Juste la folie. Bon, alors, les drones mettent un petit peu de temps à venir jusque-là, je pense, parce qu'on n'est pas bien desservi. Du coup... Il me faut vraiment une usine supplémentaire. Parce que vous voyez là, les gars font des allers-retours, mais ils sont vraiment lents. Alors, bah tiens, du coup, je vais aider avec toi. Il me faut quoi? Il me faut du fer. Alors, tu viens m'en chercher. Voir un petit peu. Maintenant, on va aller chercher voilà, le béton. Pas de ressources, deux bâtiments non fonctionnels. Ne vous inquiétez pas, on arrive les gens. On va faire ce qu'il faut. Plus beaucoup de nourriture par contre. La nourriture va bientôt arriver.
Eh, mais vous allez où avec... Le fer, il est pour là, les gars. Vous allez où? Il vient de me chercher le fer là pour le ramener là-bas alors que je viens de le ramener. Ah, mais j'hallucine. Vas-y, pose-le vite avant que les autres viennent nous le piquer. Ah, elle est là. Allez-y, allez-y. Bon, bah, c'est comme ça, du coup, sans toi. Alors, je vais continuer la recherche. Ah, du métal, là. Ouais, nous en avons. Donc, tu viens là, tu prends tout et tu le ramèneras là-bas. Ça, c'est bientôt fait. Ici, on est à 88 de carburant. Ah, il me faut vraiment en ramener. Après, je vais les envoyer... je peux faire une recherche pour avoir des fonds, mais j'aimerais bien peut-être l'envoyer... Ok, là-bas. Inventaire supplémentaire, 10 drones. Je peux envoyer une expédition pour ça, d'accord. Nouvelle technologie. 400 points. Ouais, c'est celui-là que je veux faire. Il me faudrait de ça, donc il faudrait renvoyer une autre fusée de toute façon. Plutôt la faire revenir. Je vais voir si je peux en faire venir une avec plus d'électronique. Alors là, toujours en attente. Mets des dépôts entre les dômes. Alors ouais, je devrais en mettre là, mais normalement, vous voyez... C'est juste que là, c'est vraiment temporaire. J'ai pas vraiment besoin de dépôt dans le futur. C'est pour ça que je veux pas en poser. Mais bon... je peux à la rigueur en mettre un là, au cas où. Un dépôt universel. Voilà. Côté nourriture, on a une récolte. C'est bon. C'est quoi qui ne fonctionne pas, là? Le restaurant et l'infirmerie. Bon, ça, c'est vraiment pas gênant. Ah, il peut revenir avec plein de drones. Genre, il m'en faut une vingtaine si je regarde, là. Oh, on est en moyen. On est en moyen, donc c'est pas mal. C'est combien de pouces bleus, le record? C'était le live de samedi dernier, là où on a atteint 1600 pouces bleus à la fin du live. 1640 ou 1650. C'est le record en un live, pour moi, en tout cas, sur la chaîne. Ça, c'est bon en fer. Maintenant, il nous reste deux de béton. Et le béton... Ah, maintenant, ils viennent les poser là. D'accord. Donc là, il y a deux de béton. Ils devraient le poser quand ils veulent. Voilà. Plus que un. Et on est bon. C'est reparti. Donc là, il ne va pas y avoir de... De tours que l'on va pouvoir construire au milieu de ce que j'ai compris. Voilà. Parfait. Alors, côté oxygène, on est en positif, c'est génial. Du coup. Alors, j'ai jamais fait ça, donc on va voir comment ça fonctionne. Faut le connecter. Ah. On va avoir un autre endroit que là. Parce que là, je dois sacrifier le... D'accord, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Là, je peux quand même le poser là-bas, donc c'est bon. On va te mettre là. Obstacle. On va te mettre là. Ah d'accord, donc je le mets par-dessus. Je pensais qu'en fait j'allais transformer une section de tunnel en truc qui passe en hauteur. Non, c'est le chemin pour les drones qui passe par-dessus les tubes. D'accord. Je m'arrête quand? Ben, je sais pas, ça va dépendre de votre intérêt, comment je progresse et tout. Alors la recherche, elle est stagnante, mais c'est un truc de dingue, mais c'est quoi qui se passe là-bas?
On est toujours en train de faire... Ah non, on fait le filtrage magnétique, ouais. Donc après, on va se lancer sur là. Alors du coup, je peux maintenant ici mettre... Ah, c'est toi ? Ouais, on va te mettre là. Je vais pas te poser là, par contre. On va te mettre là-bas. Et on va pouvoir mettre une autre ferme. Et je vais peut-être démonter celle-ci plus tard. Pas tout de suite, parce que bon, bah voilà, on n'est pas dans une situation où je peux me le permettre. Mais plus tard. Et avec ça, je pense que je vais pouvoir commencer à recruter des gars. Ouh, sauvegarde, tu m'as fait peur. Charge élevée, pas assez de nourriture. À Paris, dans les étoiles. Le fondateur est devenu parieur, d'accord ? Anomalie scannée par le rival. Le prix de la nourriture augmenté, charge de drone élevée, pas de ressources, d'accord. Ça commence à avoir de la tête, hein. Non, le jeu là est pas jouable en coop, je sais même pas. Tu voudrais dire avec chacun peut-être une faction? Ah non, mais il est pas jouable en coop, hein. Tu me mets un doute là, mais je pense pas. Vu que maintenant, effectivement, il y a l'intelligence artificielle, peut-être que les développeurs nous prévoient ça pour un gros patch. Je pense que ça plairait à beaucoup de gens, effectivement. Mais bon, les parties sont longues, hein. C'est en temps réel, donc il faut que tout le monde reste connecté pendant 3-4 heures de suite, et les parties vont faire 20 heures, donc c'est pas comme du civilisation où on peut quitter vu que c'est du tour par tour. Là je le vois très mal bien fonctionner en coop. Je pense que personne pratiquement ne pourrait finir des parties. Ouais, ça commence à être pas mal. Content. Bon, alors, là nous avons combien de places nous avons? Ah, nous avons 15 places, donc je peux envoyer une nouvelle fusée. Ah, la fusée, elle est partie! Je sais plus où je l'ai envoyé. Je sais pas où je l'ai envoyé. Là, peut-être? Pourquoi on voit pas ma fusée sur le... Elle est en route, en tout cas. Elle est allée chercher un astéroïde, elle va le balancer. Alors, je sais pas où elle va le lancer. Mais normalement, on devrait augmenter la quantité d'eau sur Mars, là. Alors oui, fusée, transport, on a besoin de gens. Donc, je veux des botanistes, je veux des ingénieurs. Alors là, par contre, je veux peut-être un agent. Donc, on va retirer un docteur. Et on va mettre un agent. Alors, filtre. Parce que je suppose qu'il va bientôt y avoir des problèmes. On commence à avoir des gars avec des défauts un petit peu... Tac, voilà. Ah, deux agents. Non, deux agents, ça ne me dit pas. Géologue... Ingénieur, d'accord. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Peut-être un ingénieur en moins et un scientifique en plus. Parce que je vais en avoir besoin, je pense. Bon. Et donc toi, tu nous fais du blé, après tu nous fais des patates. Et après, tu nous fais du soja qui enrichit le sol. Parce que les patates vont diminuer la qualité du sol de 10%. Et le soja va l'augmenter de 10%. Voilà. Et ah, ça y est. Ça a vraiment démarré. Parfait. Production de nourriture. On va arriver avec un petit peu de nourriture. Donc normalement, hein, ça va faire effet de tampon. Ça devrait être génial. Puis après, je pourrais mettre d'autres trucs de nourriture. Là, on verra plus tard. Hein. On verra plus tard. Ah, ils ont fini, là. Il a fini. Ah, caméra qui est coincée. Regardez. Ah, la caméra qui part en vrille, là, par contre, dans ce passage. Bah voilà, bah là, on va pouvoir descendre. Et alors, je peux me servir de lui pour d'autres projets. Genre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux virer ce qu'il y a là pour faire plus d'espace. Bon, on va le faire maintenant. Donc, tac, tac, aplanir. Ça va être long, mais... C'est ton job. Alors, repasse par là pour choper la roche stérile. Pourquoi tu as qu'une fusée? Alors, j'en ai trois de fusées. Mais j'en ai deux sur Terre. Une qui est en route et une qui est en cours de mission.
qui est en train d'aller chercher un astéroïde pour le balancer sur la planète. Pour pouvoir un astéroïde glacé. Là, il devrait démarrer, je vérifie quand même qu'il fait bien le nécessaire. Donc Fox 1 est en route et Fox 3 va chercher... Ah, recherche terminée. Filtrage magnétique. Alors c'est quoi déjà le filtrage magnétique ? Ah, plus de production d'oxygène. Alors maintenant, on est en train de faire du terraforming. Donc là, on va découvrir des nouvelles anomalies planétaires. Pourquoi pas ? D'accord. Après... Non, là, ça, on en a déjà, on en a pas besoin. Ah, je suis obligé de faire la recherche sur ça pour débloquer la suite, c'est dommage. Là, eau du noyau, découvrez les gisements d'eau souterrain extrêmement riches, ça peut être pas mal. Analysez les données du télescope spatial, ouais, donc ça va attendre. Hein, ils nous demandent de le faire, c'est une quête. D'ailleurs, est-ce que je peux voir le niveau de difficulté ouais, c'est ici, non? Ah oui, là on a, je sais pas si c'était là avant, je crois pas que c'est l'été, on peut voir des graphiques, vous voyez, sur le nombre de colons, les transports, les bâtiments, la quantité d'énergie, tout ça. Ah, je me rappelle plus où je peux voir le niveau de difficulté qui est recalculé par rapport à la mission spéciale qui m'a été donnée. Ah, c'est lui travail. Pourquoi tu décharges? Voilà, c'est sur ça que je veux que tu travailles. Ah, je crois qu'il déblaye ce qu'il y a là en fait. Ah, donc j'avais pas besoin de ramener des roches stériles. Là, il va vider ce qu'il y a là avant d'aplanir. Donc en fait, là, ce qu'il pose, c'est le surplus. Et là, on a un quart du nettoyage du site. Mais avec ça, je vais avoir plus de place de construction. Donc ça va être génial. Alors, c'est parti. Ne t'arrête jamais, tu veux dire que j'arrête pas de faire le live. je pense que je vais claquer si je fais ça. Ouais, il y aura une rediff. New colonists have arrived. Ah, alors les gars, oh, je les ai peut-être mis un peu loin, mais alors il court. Il rentre. Ils vont dans leur maison. On est à 24 sur 28. Et alors là, du coup, je vais pouvoir débloquer des jobs. Si les gens ont de la place, ils vont pouvoir venir. Là, on est à 2 milliards. Il me faut de l'électronique pour lancer une nouvelle fusée. Donc, elle, on va la recharger. Ah, ils ont déjà rechargé et je voulais la lancer en mission avant qu'il recharge et avant qu'il fasse du gâchis. Ah, ouais, bon, on va devoir attendre, c'est trop tard. J'ai pas assez d'électronique pour... D'ailleurs, est-ce que je peux maintenant... c'est des minéraux rares pour l'électronique. Donc, alors, j'en ai là. Je crois que j'en ai ailleurs, peut-être. J'ai que des mines, d'accord. Mais là, c'est trop loin de mon dôme. Donc, je vais devoir mettre un dôme, là. D'accord, on va le faire. Je vais avoir besoin d'exploiter ça. À moins que... Moi, je puisse le poser là. Dans le cas là, il faudrait démonter ça. Parce que si je le mets là, je vais pouvoir exploiter les deux, ça serait pas mal. Ouais, il va falloir repositionner. Toi, on va te poser. Là, le deuxième. Alors, anomalie détectée, ici. Bah tiens, mon truc scientifique, tu vas faire la recherche. Ce qui va nous booster. D'ailleurs, j'ai... j'aurais peut-être dû commencer à faire un chemin vers l'autre côté. T'as fusé sur la zone avec le radar à l'ouest de ta position. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? Ah. La fusée est là? Quelque part par là? On la voit pas visuellement, quoi.
resources are low. Alors, les ressources sont basses. À côté eau, j'ai pas assez de production d'eau. Donc, on va corriger ça. Du coup, l'eau ici, il m'en reste 8000. Donc, je peux mettre un autre. À moins que je... Non, je peux pas encore faire la recherche pour booster. Donc, on va mettre tout de suite... ça va être un château d'eau. Ça va être un extracteur d'eau. Et on va te poser... Ah. Capturer des astéroïdes. Alors, la capture des astéroïdes de glace est un succès. A l'aide d'outillages spéciaux, nous avons poursuivi et dévié les astéroïdes de leur trajectoire sans trop de dégâts. Nous avons réussi à diriger efficacement vers la surface de Mars de grandes quantités d'eau qui seront bientôt accessibles facilement. D'accord. Il y a le risque que la bille tombe dans la mauvaise poche. Préparez-vous à un éventuellement tremblement de terre. Alors, une nouvelle recherche. On a débloqué quoi ? Serre martien. Brûle du carburant, ouais, pour faire monter la température. La végétation pousse plus vite, alors ça, on va pas le faire tout de suite. On va revenir. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça. Ah, ça peut être pas mal. Ça doit pas coûter cher, ouais. On va te faire... En social. Augmente la recherche fournie par le sponsor. Ouh, alors on va le faire avant. Voilà, la recherche fournie par le sponsor. Même toi, déjà la recherche en premier. Plus 10 de productivité pour les scientifiques. Et ouais, donc c'est bon. Donc on va déjà faire les deux là. Je pense que ça va m'aider à progresser plus vite. Là, on fait 326 points de recherche. Alors. Capturer des astéroïdes de glace. Ah, ça y est, 5% d'eau. Génial. Mais je veux faire autre chose. Avant, je vais ramener une fusée. Une fois qu'ils ont terminé là, je vais ramener une autre fusée là. On va avoir besoin de générateurs de carburant, on va avoir besoin d'électronique et d'autres choses. Et de polymères. Ouh, je vais pas avoir assez de polymères pour finir le dôme. À moins qu'il y en ait en stock sur eux qui sont en chemin. D'accord, les polymères, il faut que je me rappelle. Encore toi, tu me... On retire. On a un nouveau jalon. Anomalie inspectée. D'accord. Ah, là, il a déjà... Là, il a déjà retiré les montagnes. Regardez-le, ce petit travailleur. Il rigole pas, hein. Alors, le jeu, la version standard du jeu est gratuite ce week-end. Donc, vous pouvez jouer gratuitement au jeu, hein. Donc allez-y, par contre les DLC ne sont pas gratuits. Donc là ce que je vous présente, bon, c'est le jeu de base avec par-dessus le DLC de Terraforming, donc pour modifier la planète. Alors toi. Ah oui, c'est pas fini toi. Donc, tu attends un petit peu avant d'atterrir. Donc là tu reviens en fait de ton job. Attends, on va te renvoyer du coup. Est-ce que tu vas impacter? Non, t'as pas impacté les petits. Donc lui, je vais lui dire d'atterrir. Une fois que je suis prêt à l'envoyer faire un nouveau job pour me rapporter de l'argent. Donc par exemple, installer un satellite, ce genre de choses. Donc je vais le laisser non poser. Oula, par contre, regardez la quantité de... Et il a fini le job. Ça y est, il a aplati. Alors maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu ramasses le reste. Voilà, et on va l'envoyer faire une rampe de l'autre côté pour voir s'il peut aller jusque là-bas. Alors. Voilà. Et alors, je te fais venir ici. Et là, on va faire du terraforming. Rampe. Là, on va le faire plus petit par contre. Voilà, ça va suffire. Regardez-le. Ah, caméra là. La caméra, elle aime pas la rampe. Hein. Elle aime pas du tout. Donc, tu vas venir travailler là-bas. Et on va gagner accès à la deuxième partie de la map.
de combien est ton délai entre ton stream et YouTube? Je dirais une dizaine de secondes, peut-être, quinzaine de secondes. Ah, d'accord, je comprends pourquoi toi tu te construis pas. Bon, ça coûte tellement peu cher. Tu peux te poser. Temporairement là-bas. Il va me falloir plus de recharge pour mes drones. Et donc on veut une fusée de cargo. Donc je veux quelques drones. Je veux du polymère. Un peu de nourriture au cas où. Quoique nourriture, j'en ai peut-être pas besoin. Là on doit être bon. Je vais avoir besoin d'électronique. J'ai besoin d'un préfab, raffinerie de carburant. Le reste est bon. Réseau de drones, j'en ai pas besoin là tout de suite. Vaporisateur d'humidité, on peut faire sans. Ouais. Donc il me reste 1 milliard. Plus de polymère. Plus de pièces détachées, plus d'électronique. Plus de drones. Oh, il me reste de la place. Hein. Je vais plus du tout avoir d'argent là. Mais bon, on prend tout ce qu'on peut. Voilà, et là je peux plus rien avoir d'autre. Si un drone. Voilà, il me reste 20 millions. Donc je suis à la dèche, mais à la dèche complète. Bah vas-y, Fox 2 arrive. Et on va envoyer ma fusée après aller s'occuper d'un satellite. Hein. Envoyer un satellite et on va être payé 20 milliards. Ou Spacey va encore s'occuper du scanning d'anomalies. Purée, Spacey, les. Anomalie planétaire. Ah là là, il y en a plein. On va essayer. Est-ce que je peux envoyer une expédition? Non. Alors, on va poser du coup toi et on va t'envoyer en expédition tout de suite. Alors, pas pour le satellite, mais juste pour l'autre. On va voir comment ça va se passer. De toute façon, j'en ai une autre qui va être prête pour. Pour les satellites, une autre fusée. T'es là. Maintenant. En expédition. Nouvelle technologie. D'accord. Donc il lui faut quand même son carburant. En carburant, on en a combien? On en a 41. Très bien. Et donc on va revenir avec une nouvelle technologie, une au minimum, plusieurs, vu qu'il y a probablement vu qu'il y a un S. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Là-bas, tu travailles dessus? Ouais. Oui, il travaille. Donc c'est parti. les débuts du jeu ne sont pas évidents. Alors il y a maintenant un bon tutoriel, mais c'est vrai que c'est pas un jeu qui est super abordable au début. Ici. On est bon. Regardez tout le fer que j'ai pas besoin de mine. Bah alors la fusée arrive, j'en ai vraiment besoin. Ah, alors lui va bientôt partir. Plus que 2 de carburant. Et il va aller faire son scan. Et on va voir ce qui va se passer. Alors j'ai vu qu'il y en a qui me ramènent des drones, donc il faudrait peut-être que je les favorise. Mais lorsque je vais avoir au moins 2. J'aurais peut-être dû prendre 3 pour le carburant. Je me dis. Parce que. Ouais. Qu'est-ce qui est bas? La nourriture. D'accord. Ah. C'est parti. Donc on va attendre. Et voir ce qui va se passer. Donc là, je viens de l'envoyer. Ma base est là. Ouais, on voit pas la fusée. Hein. J'aurais aimé avoir un icône ouais, qui montre. Donc il vient, ça celui-là. Non, ça celui-là. Il va aller. Et après, ce que je veux faire.
c'est envoyer l'autre là-bas, ce qui va me ramener 2 milliards. En 4 journées. Donc attention, il est prêt à atterrir. Bah, du coup, je vais te mettre là. T'es plus proche des stocks. Donc là, on va décharger les ressources et alors là, je vais vraiment maintenant essayer de démarrer plus le terraforming, terraformation. Alors, videz-moi tout. Ah, l'anomalie était analysée. Ah, d'accord, ça me débloque pas. Ça me débloque pas la technologie. Ça me débloque la technologie dans la liste. Ce qui est vraiment pas génial. Bon, alors, oui, serre martienne. Ça, c'est pas grave, j'en veux pas. On va faire les deux là. Et alors là, je peux déjà... pas faire grand-chose, en fait. Ouais, je vais devoir attendre que ça soit fini. Ah oui, ils travaillent sur la recherche. Ouais. Une fois que ça c'est fait, ils vont commencer à lancer la recherche pour l'effet de serre, pour travailler, donc brûler du carburant pour réchauffer l'atmosphère. Parce que là, on est trop froid. Ah, ça y est. Toi, t'es fait. Alors, j'attends que tout soit vidé. Il faut que j'attende qu'il y en ait plus de vidé. J'ai besoin de plus de... stockage. Sector scanned. Research complete. Ah, anomaly found. Vas-y. Et là, ah, là, j'ai plus de points de recherche qui vont être générés. On a 426. Dôme sans système de survie. Alors, il n'y a pas de problème, ça va venir, on va le faire tout de suite. J'ai pas encore de gens qui peuvent habiter dedans, donc ça ne pose pas problème. Ah, toi. On va tirer de là. Meteor shower incoming. Ouh, plus de météorites. C'est pas aussi agréable quand c'est sur Mars que quand c'est sur Terre, on va dire. Je sais pas où vous allez arriver. Toi, t'as fini de décharger, parfait. Alors, on va t'envoyer. Là, expédition. Nouvelle technologie disponible à la recherche. C'est celle-ci, d'accord. Alors pourquoi j'ai deux de carburant là? D'accord, il faut qu'il puisse décoller et il faut ça pour le satellite, d'accord. Tempête de météorites. Je sais pas où elle va arriver. Alors maintenant je peux... Ah oui, je peux maintenant mettre le carburant, c'est vrai. Voilà, on va produire du carburant deux fois plus vite. Pour être bien dans les recherches, il faut que tu sois à combien? Tu veux dire en point de recherche? Bah le plus, plus t'es haut, mieux t'es. Hein. Mettre. Ah, il est où le... Voilà, je vais pouvoir mettre une autre plage horaire dans le laboratoire de recherche. On va voir si on a des scientifiques. Alors par contre, pas de restriction. S'il y a des gars en rab, venez travailler là. Ah, venez faire de la recherche. Ah, il y en a d'autres qui arrivent.
On est pas 5. Ah, anomalie détectée. Oula. Wow, ok, c'est à l'autre bout de la map. Regardez. Au moins, ça me concerne pas. Toi, t'en es où? T'as encore du boulot à faire. On est à 30%, je dirais. À 40, peut-être. Et pour pouvoir débloquer la zone suivante, là-bas. Alors, ici, oui, je voulais... Alors, du coup... maintenant qu'on a tout ça, je vais avoir besoin... de maison. On va avoir besoin... d'un bar. On va ensuite avoir besoin d'une épicerie. Et d'un restaurant. Voilà. Comme ça, vous allez avoir le minimum. Ah, ils ont besoin de nourriture. On va quand même... Alors, la nourriture... La nourriture, on est bon. Donc, ils vont amener la nourriture de l'autre côté. Ils vont le ramener là, je pense. Et ils vont le transporter. S'il le faut, je vais faire un autre de nourriture là. Donc, toi, t'as scanné. On n'a pas beaucoup d'électricité. Il me faut peut-être plus d'éoliennes la nuit. Mais... Ouh, mes batteries commencent à être basses, d'accord. Pas bon. Électricité, éolienne. les éoliennes l'une derrière l'autre, c'est peut-être pas la meilleure idée, je me dis. Mais bon, du coup, comme ça, c'est bon. Ensuite, plus de batteries. Là, on est en négatif toujours. Voilà. Research complete. Ouh. Ça devient dangereux. J'ai négligé l'électricité pendant trop longtemps. Mais venez pas me construire les ça d'abord, venez me construire plutôt les éoliennes. Charge de drone trop élevée, entraînement méthodique, d'accord. Ah bah t'as deux autres recherches. Voilà, je regarde pas le chat, désolé, je suis concentré. Énergie emmagasinée 23. On est en positif. Venez me la finir rapidement. La nuit arrive. Voilà, un petit peu plus. Alors, l'éolienne suivante. Là, on va changer un petit peu les batteries, mais là, je stresse, là. Oh là là, c'est la nuit, là. On est à zéro. Alors, par contre, on n'est pas complètement négatif, donc c'est cool, ça. Pourquoi j'étais à moins 40 tout à l'heure? Charge de drone élevée, je sais. Toi, il te manque du carburant. Alors, priorité à toi pour le carburant. Parce que lui, il en reçoit un petit peu. Il ramène les ressources. Cyberguerre. Alors, notre équipe de cybersécurité a profité d'une faille dans les défenses du réseau d'un de nos rivaux. Ok ? D'accord, donc ils ont trouvé des informations qui vont endommager la réputation de la colonie Space Y. Spacey. D'accord. Donc on peut empêcher que le rival gagne des ressources. On dit tout à la Terre. Le rival perd des colons et de l'argent. Nous perdons en réputation avec tous nos rivaux. On peut gagner de la réputa avec eux. Il faudrait avoir 1 milliard. Alors on va le faire perdre, on va leur faire perdre des ressources, on va les entraver, comme ça on va pas être pénalisé
pour ce... Alors là, la pluie de météorites a toujours lieu là-haut. Ouh, ça se rapproche un peu. Heureusement que c'était là et pas là, hein, parce qu'avoir autant de météorites qui tombent dans ma base, ça m'aurait trop défoncé. Alors. Maintenant, il faut pouvoir faire un voyage de là-bas, de là à là-bas. Donc je vais avoir besoin de toi. Il m'en faut deux. Oui, il m'en faut peut-être qu'un. Pas assez d'énergie. Donc, je finis ça avant de lancer quoi que ce soit d'autre. Je préfère des navettes de transport de gens, mais je sais plus si les gars ont besoin d'une navette pour... je crois qu'il n'y en a besoin que d'une hein, pour alimenter toute la zone. Donc je vais la faire. Si on a besoin de deux, ça me coûtait un peu trop de ressources. Mais une fois que j'aurai des gens qui travaillent là-bas, je vais pouvoir extraire... Ouh. Ça y est, il est parti en mission et il va nous rapporter 2 milliards. Donc vas-y, en tout cas, rate pas ton action, hein, s'il te plaît. Ça y est, plus de génération. Ah, regardez, les batteries commencent à gonfler. Bizarre hein, que les batteries gonflent avec l'électricité. Je sais que ça gonfle un petit peu, peut-être, avec les réactions chimiques, mais là, à ce point-là... d'accord, et donc maintenant plus que les panneaux solaires qui demandent juste du fer et mes gars galèrent tellement sur le transport. Avec peut-être les milliards que j'ai, je vais revenir avec les pièces de rechange sont là. Je reviendrai peut-être avec de l'électronique. Ouh. Et avec du... Qu'est-ce que je voulais prendre? Des drones. Et... Ah, il y avait un truc que je voulais prendre et j'ai oublié là. Alors tiens, au passage, je vous rappelle, oui, n'hésitez pas à passer sur le Discord, car je rappelle que samedi prochain, on va organiser un tournoi trivia. Donc en gros, on va faire des équipes avec tous les participants et vous allez vous affronter avec des questions qu'on a préparées pour vous. Et les équipes gagnantes vont gagner des clés de jeu et des grades spéciaux pendant quelques temps, ce genre de choses. Alors, là c'est fini. Donc tac, 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 tac. Vas-y, continue de scanner. Drone sans contrôleur. Capacité pleine. Toi. Voilà. Donc 4 bâtiments non fonctionnels par contre. Lequel est le quatrième? J'en vois 3 là-bas. Mais je vois pas le quatrième. Ah là il me dit plus que 3. D'accord. Très bien. Et les choses se passent pas mal. Alors toi, tu peux rentrer à la base. Allez, on va te faire rentrer. Et lui est à 22% de sa mission. D'accord. Alors, je commence à bien descendre en nourriture. Donc, je me dis, je vais faire une autre ferme. À moins que j'ai juste à booster. Non, je peux pas... d'accord. Est-ce que je peux booster celle-ci? Non. Alors, priorité à toi. Ah ouais, mais... priorité à toi et de n'avoir que des gens du job. Voilà, comme ça, vous allez faire de la nourriture plus vite. On va voir ce que ça va donner. Là-bas. Ouais, il a presque fini. Hein. On est à 70%, je dirais. On dirait des fourmis, tous les petits drones qui se baladent avec leur... Ah là là. Donc là, il y a de la place et je vais... combien va me coûter d'amener une fusée juste avec des gens?
Elle me coûte rien? Elle me coûte rien. D'accord. Donc, j'ai deux docteurs. J'ai pas besoin de deux docteurs. On va laisser un, voilà. L'agent. D'accord. Scientifique. Je veux plus des botanistes. Ouais, non, finalement, ça me convient. D'accord, finalement, j'ai même pas besoin de payer pour envoyer des gens ici. J'ai besoin juste pour acheter des ressources. Ah, ça me surprend un petit peu. Mais, bah ouais, bah on va pas dire non. Par contre, du coup... Ouais. Peut-être devoir augmenter. Alors, pas de ressources dans le secteur G3. Et là, je vais avoir enfin des bâtiments fonctionnels. Toi, t'es à 40%. Toi, t'es en train de travailler dur. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir pomper là. Ah, serre martienne. Ah, génial. Alors, du coup, on peut brûler du carburant. Est-ce qu'on en produit assez de carburant? On est à 32 champs. Alors, je sais pas trop. Ce serait peut-être... Brûle un mélange de carburant et de carbone extrait localement pour libérer des gaz à effet de serre, ce qui améliore efficacement la température globale. A considérablement renforcé l'effet de la terraformation à basse température. D'accord. On va en mettre un. On va te mettre là-haut. Je vais voir si je vais devoir ramener encore des choses pour la production de carburant. Et je suppose que t'as pas besoin de... D'accord, je pensais que j'avais besoin de te connecter avec un câble, mais en fait non. Il y a quoi comme nouveauté depuis la sortie du jeu? Bah beaucoup de choses, hein. Là tu peux les voir en me voyant jouer. Ouais, ça c'est l'info sur la température. Nouvelle route commerciale, Blue Sun. Commencer à commercer. Nous enverrons 50 de nourriture. Alors lui veut que... Non, il veut que je paye, donc non, ça m'intéresse pas. J'ai la nourriture, je veux l'argent moi. C'est normal, c'est eux qui payent pour venir sur Mars, d'accord. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est eux qui financent le voyage, comme vous dites. Alors là. Mais bon. Je commence à être un petit peu juste en pièces de rechange. Alors, j'ai une usine de pièces de rechange là, détachée. Ah oui. Je comprends, j'ai oublié de... D'accord. Bah là, ça devrait aller plus vite. Alors par contre, on va avoir des problèmes en métal. Ouais, mais bah, là, je vais avoir les métaux, les nouveaux. Hein. Alors, je vais peut-être envoyer voir s'il y a du métal à choper à la main. On a un petit peu là, 87 ici. Alors, d'accord. Donc, tu vas venir là. Tu ramasses ça. Tu prends tout et tu le ramènes là. Comme ça. Tu vas compenser en attendant que l'on soit prêt. La fusée est arrivée. On va la poser là. Et l'autre est toujours en route. Regardez-les. Comme des lapins. Hop, hop, hop. Regardez-les, parfait. Ah, il n'y a que 10 places et il y en avait 12 gars. Non, non, il y a 14 places, d'accord, j'ai eu peur. Et j'ai que 10 gars qui sont venus. Oh, alors, à moins qu'il y en ait qui soient allés de l'autre côté. Ou alors, j'ai oublié de mettre 2 gars. Alors là, ce serait dommage, là. Ce serait un peu du gâchis. Bon, alors, du coup, maintenant. Production. Extracteur de métaux. Et j'aimerais bien extracteur de métaux rares. Et on va voir si j'ai besoin. Je pense que je vais devoir envoyer d'autres gens là. Donc on va faire... Toi, t'es déjà prêt à partir? Bah, tu repars. Et on va renvoyer d'autres bonhommes.
Voilà. Faites tout ça et on va ramener d'autres bonhommes. Et là, plutôt me concentrer pour l'endroit là, pour les minerais. Donc surtout renvoyer... je vais envoyer quelques gars pour les fermes. Mais je vais surtout renvoyer un grand nombre de gars qui minent, des géologues. Oui, le live sera en rediff, toujours. Scanner. Ah. T'as besoin. On va devoir le ramener là pour récupérer. Ouais. La roche stérile, il en a besoin pour finir l'autre côté. Et il y a eu 11 colons qui sont arrivés, pas 12. D'accord, j'ai oublié un gars en fait. Côté recherche, on a pas mal de points de recherche, donc ça progresse beaucoup plus vite. Là, on est en train de faire toit, aménagement paysan, paysager, subvention. Alors, je vais être obligé, je pense. Je vais être obligé, mais je vais faire ça pour gagner un petit peu d'argent, mais ça me coûtait cher. Et si je veux débloquer le reste du terraforming, il n'y a pas le choix. D'accord. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Ah, voilà, les gaz à effet de serre. Regardez. 0,27, la température est en train de remonter. Activé en permanence, utilise du carburant. Alors, justement, on va regarder là maintenant. Graphique, carburant. En réserve. On a perdu un petit peu, mais on a des fusées qui sont arrivées. Donc je pense qu'on est bon pour le moment. Donc. Je veux. Moins de scientifiques. Botaniste, géologue. Moins de scientifiques. Alors je vais devoir être moins sévère sur les filtres en fait. C'est pour ça, oui. Non. Groupe d'âge. Je vais accepter les âges moyens. Du coup. Plus de géologues. Pourquoi ils sont... D'accord. Bon, bah ça a l'air pas mal. 12 sur 12. Lancé. Voilà, on va obtenir un nouveau groupe de gars. On a de la nourriture. Je vais pouvoir peut-être... On va voir si on va lancer. Alors là, il se passe quoi? J'ai pas de gars pour bosser. D'accord, à l'épicerie. Y a pas de gars qui travaille à l'épicerie. Pourquoi pas. Et j'espère que les gars vont déménager là, par contre. Ouais, alors j'ai besoin. J'ai besoin de toi pour les voyages. Ça va me demander... Mais bon, ouais, il va me falloir quand même, quand il va finir sa mission, je pense que je vais recommander des pièces détachées, malgré le fait que j'ai une usine qui travaille dur. Ouh, je peux mettre une deuxième plage horaire, on va le faire tout de suite. Malgré que j'ai une usine qui travaille dur, je pense que je vais devoir en ramener un peu plus. En électricité, on est bon. Beaucoup de bons jeux sur ta chaîne. Bah, j'essaye de vous trouver des bons jeux, ouais. C'est pas une garantie, parce que chacun ses goûts, mais j'essaye, ouais, de trouver les bons jeux. Alors après, je sais pas si tu parlais à moi. Elle est combien l'extension? Elle est à 19,99. Mais il vaut mieux prendre le pack saison qui est à 22,99 ou 23,99 ou un truc du genre. Parce que vous avez deux grosses extensions avec, dont celle-ci. Plus le pack d'animaux, d'élevage d'animaux qui est sorti. Donc ça vaut carrément plus le coup. Alors, ah! Notre satellite a été placé en orbite. Il est désormais opérationnel et contribuera à aider la mission en cours depuis plusieurs décennies, consistant à trouver des signes de vie intelligents ailleurs dans la galaxie. Et j'ai 2 milliards, catching. Génial. Bon bah alors toi on va te ramener. Et on va te renvoyer sur Terre. Ah j'aurais peut-être dû le mettre là pour que les gars puissent aller... Ah c'est ça, c'est fait. Navette 3 sur 6, en vol 3. Alors, ah, LZ, alors moi j'aurais aimé que les navettes aident les gens. Alors je veux que tu transportes des gens uniquement. Pour qu'ils aillent alors au boulot là où il y a besoin. Plutôt que de transporter des ressources. J'ai les petits drones pour. Donc là ils vont plutôt faire office de taxi que transport. On va voir s'il y a besoin de changer. Une fois que le nouveau groupe va arriver.
Research complete. Voilà. Et recherche terminée. Stimulateur de croissance. La végétation pousse plus vite. Ah, et là, on a débloqué fabrication de lacs. Oh, bah ça, je le veux, bah, carrément. Carrément. On va le faire. D'accord. Donc là, on va pouvoir avoir des lacs, les gars. Côté nourriture, on est bon. Ah. Toi. Ah, il a des métaux rares. Alors, je... J'aurais préféré que tu chopes pas mes métaux rares, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux décider de pas les envoyer, les métaux rares? J'en ai besoin pour faire de l'électronique. Et l'autre? Voilà. Ouh, sauvegarde automatique qui me fait toujours très peur. Ouais, pour être modérateur sur la chaîne, faut vraiment, vraiment participer, genre être tout le temps sur le Discord, se faire connaître, être agréable et attendre qu'il y ait besoin des modérateurs. On le dit quand il y a besoin et on, en général, même pour les modérateurs, on va vous contacter plutôt que de vous demander si vous êtes intéressé. Enfin, demander de vous manifester. On va vous contacter, voir si ça vous dit. Puis voilà. Alors là-bas. Toujours pas fini, hein? Ah oui! Ah, je l'ai pas renvoyé. C'est vrai. Maintenant que tu as. Maintenant que tu as ça, tu y retournes. Ah oui, j'ai oublié carrément, lui. Tellement de choses. Alors, on va interdire les exportations. Pour le moment, on n'en voit rien. On fait juste ce dont on a besoin. Je vais avoir besoin de polymère. Pièces détachées, d'accord. On va faire une autre commande. Maintenant qu'on a 2 milliards. Fusée de transport. Non. Cargo. Du coup, quand même en bâtiment préfab, je voudrais une autre raffinerie de carburant. Je voudrais quelques drones. On va ramener des graines parce que je pense que je vais en avoir bientôt besoin. Et là, il me reste plus que 250 000. Je peux envoyer des drones et j'ai plus d'argent. Ça y est. J'ai déjà plus d'argent. D'accord. Bon, bah, on revient. Ouais, comment gagner plus d'argent? Alors, j'ai des recherches. Et sinon, ressources, avancement des recherches, ça peut être pas mal. Vas-y. Bientôt plus de polymères, mais ça arrivait. Donc là, je vais envoyer la fusée là pour aller débloquer des avancements de recherche et donc me faire progresser dans celle que j'ai. Tu as une usine de polymères. Ah oui, pas bête. C'est vrai. Alors par contre, le polymère, ça me demande quoi? De l'eau et de carburant. On va se mettre là pour le polymère. Ok, ah, il faut être à côté d'un dôme. On va se mettre là. D'accord. Donc de l'eau et du carburant. Mm-hmm. Donc c'est à côté où on devrait être bon. Ouh, on n'est pas très loin. Ouais, je pourrais peut-être en mettre un troisième. Par contre... Il me faudrait commencer à me développer vers là pour avoir l'autre réserve d'eau. Ah. Donc l'anomalie, ah, la fusée a fait son boulot. Lancer un satellite, ben, je voudrais bien le faire, mais pas tout de suite. 24 millions de l'export. Du coup, là, on est à la fabrication des lacs. Et après, on a l'agriculture sans dôme. Mmh.
7000, c'est peut-être un peu cher. Les générateurs Stirling, ça prête pas mal. Ouais, on a besoin de plus de candidats là pour nous rejoindre. D'accord. Ah, les trucs d'humidité. Ah, j'ai pas la technologie, d'accord. Donc on va mettre toi. Et voilà. Ça. Par contre, ouais, là, ça va vider de plus en plus vite la réserve d'eau. Il va me falloir trouver les filons sous-marins, souterrains d'eau. Ah, un bâtiment non fonctionnel. Ah, toi. Pas grave, ça arrive. Les tuyaux vont être construits. Voilà. On est à 0,98 là, et lui, il a toujours pas fini. Travaille dur, hein. Ouais, tu travailles dur. Il est en train de niveler la rampe. Bon. Atterrissez, les gars. Et là, je vais pouvoir faire plus de carburant. Là, il y a des gars qui travaillent. Ah, c'est le gars de la recherche, il est revenu avec un explorateur télécommandé. D'accord, je me demandais ce qui se passait là. Ah ouais. Ici, il me ramène les ressources. On remonte. On a des graines maintenant. Ah, je pense qu'il est un petit peu tôt peut-être pour commencer à planter des choses, mais bon. Tu viens de domestiquer un renard dans le Rimworld. Bah bravo. Ah là, normalement, j'ai plus de drones maintenant. Ouh là là, ouais, ça se travaille dur, hein. Ouais, beaucoup de boulot. Il me faudrait un autre centre de recherche. Une anomalie a été trouvée. Alors, parfait. Mais avant... De toute façon, je vais rien pouvoir mettre d'autre là. Alors, anomalie ici. Donc, je vais prendre toi et tu y vas. Puis après, j'ai pas mal de choses à détecter là-haut. Alors, est-ce que mes fusées sont fait le plein? Mes fusées ont fait le plein. Ah, arrêtez de ramasser mes minerais rares. J'en ai besoin pour mon électronique. Alors, je veux. Maintenant, on va te renvoyer sur T. Ah non, il le décharge, parfait. Il le décharge. Je vais du coup. Avancement des recherches. Nouvelle technologie. Inventaire supplémentaire. Ça me ramène ça en fait. Importer des gaz à effet de serre. Ouh, on renvoie l'expédition. Alors, est-ce que ça me demandait 600 millions? C'est la question parce que. Je vérifie, genre toi. Ouais, c'est ce qu'il va me demander. Donc ouais, je peux pas l'envoyer là-bas. Là, on va gagner des ressources. Mais on va envoyer toi. Et on en a un deuxième. Avancement des recherches. Envoyé. Voilà. Donc allez-y, ramenez-nous tout ça. Ça va nous faire du bien. C'est quand que tu vas mettre de l'herbe sur Mars? La question. Bah c'est quand le jeu me laisse, hein, j'avance petit à petit. Hein, c'est pas de la magie, hein, c'est pas comme ça. Faut s'occuper de l'atmosphère, de la température, de l'eau. Puis après, faut commencer à planter. C'est petit à petit, hein, c'est un boulot long apparemment. Et qui demande pas mal de choses. Alors, ferme ouverte, je peux pas encore la faire. Un lac. Ah.
Ah oui, ça, ça arrive. Je pourrais faire toi pour brûler plus de carburant. D'ailleurs, au passage. Raffinerie de carburant. On va te mettre là. Anomaly analyzed. There's more to the Baron and... Alors, j'ai débloqué quoi? Générateur de champ magnétique. Merveille. Ouh. Diminue la perte d'atmosphère en raison du manque de champ magnétique. Et là, le coût est réduit de 50%, donc ça me demanderait 14 000 normalement pour la recherche là. Alors, je vais avoir besoin d'eau souterraine, donc on va déjà faire la recherche là avant de me lancer sur autre chose après. Bâtiment non fonctionnel, là, ça devrait être toi. Ah, c'est toi. Pas assez de gens. Pourtant, ils sont 28 sur 28. On va devoir mettre... Voilà. Et avec la navette... Avec les navettes, ils vont faire l'aller-retour s'il y a besoin. Du coup, je vais faire venir d'autres gars. Docteur, scientifique. Moins de scientifique. Plus d'ingénieur. En avant. On va lancer quand même parce que je vais finir la maison là avant qu'ils arrivent. Ouh là, il y a beaucoup de gens là. Beaucoup de gens dans ce biome. Ah, une fusée est partie. Elle a besoin de 3 docteurs. Question, est-ce que j'ai 3 docteurs qui peuvent aller là-bas? Je ne sais pas. Anomalie analysée, parfait. Donc on va finir la quête. Ouais, la quête là, la recherche. Fabrication des lacs. Oh, donc je vais pouvoir essayer de faire des lacs. Je devrais faire une deuxième décharge, oui c'est vrai. Research complete. Même une troisième. Ouh, je suis à 355% de difficulté là. D'accord. À cause sûrement de... D'accord, qu'est-ce qui se passe? Rechercher 8 technologies de terraformation. Et la récompense, c'est 100 points de recherche, c'est tout. 2 petits lacs préfabriqués. D'accord. On va faire des petits lacs préfabriqués. Ah, il faut... D'accord. Voilà. D'accord. On va voir ce que ça va donner. Alors, côté haut, ça devient dangereux, hein. Donc ça... Ah, il faut quand même des pièces de rechange. Je suis à 1,2 milliard, d'accord, j'ai regagné de l'argent. Il me dit, la recherche, bah, je sais que c'est terminé, j'ai déjà commencé à les construire. Plus de candidats, puis après toi, et là... Ouh. On va faire le champ magnétique, on en a besoin pour l'atmosphère, apparemment. Ouh, 1300 pouces bleus, ouais, lâchez-vous, on essaye, allez, on essaye les 1500, ça serait génial. Ouh, 500 points de recherche parce qu'on a creusé. Après, développer une avancée, bah là, je suis en train d'en faire une. Objectif du sponsor, 100 colons, etc. Route commerciale.
Il demande quoi? Il demande de la nourriture. 310 de nourriture, c'est même pas la peine. Et là-bas, on a une recherche. Anomaly found. Tu travailles. Alors. J'ai un petit problème avec toi. On va annuler l'expédition. J'ai pas 3 docteurs. Ah, on a des graines. J'aimerais bien les décharger, les graines. Alors, stockage. Comment je laisse les graines? Je les mets où, les graines? Ah, on a les animaux, là. Oui, il faut que j'en fasse. Vous savez où je dois les mettre, les graines? Je vais être obligé de te laisser à cause des graines. Embêtant. Ok. Là, ça se remplit, je suppose. Niveau d'eau, 17%. Recherche terminée en direct de Mars. Et maintenant, on fait... D'accord. Donc là, plus de gens vont vouloir venir. Et là, on va faire celle-ci. Puis après, on va venir là. Parfait. Toujours en cours. Alors, je voulais faire quelque chose, mais là, j'ai un trou. Je sais plus... Toi, tu vas repartir. Puis après, on va poser la fusée là. Il va me falloir une autre piste d'atterrissage, du coup. Vu qu'on va laisser la fusée quelques... Wow! Ok, c'est juste... Ouais, j'ai eu peur. Du coup... La colonie se développe pas mal, hein. Là, on est un peu en négatif en électricité, donc je vais mettre une autre comme ça. New colonists have arrived. Dépôt de graines, mais j'ai essayé de regarder le dépôt de graines. Ah, c'était parce que je reconnaissais pas l'icône. D'accord. D'accord. Oui, je cherchais un 1 avec bah, l'icône des feuilles, en fait. J'avais pas lu le texte. Bâtiment non fonctionnel. Alors lequel n'est pas fonctionnel? Alors je comprends pas pourquoi ils ne m'ont pas mis les graines, tout simplement, dans les dépôts pour tout. Je pense que ça c'est pas normal. Ah, alors les lacs se remplissent. Ok. Et toi tu vas bientôt finir, mais tu en mets du temps pour ce petit... Comparé à l'autre, est-ce que t'as encore suffisamment? Ouais, t'as encore suffisamment de choses. Ouais, je vois tous les dépôts de graines en chat. Il y a un décalage à jouer avec pas mal de gens, donc il est posé. Hein. Vous allez le voir, vous allez m'entendre le dire que c'est posé dans pas longtemps. Là, on est où? On est à 1? C'est quoi cette histoire? Plus de panneaux solaires. Voilà. Sector scanned. Et il a fini, parfait. Alors, on va prendre toi. On va tomber là-bas. Et j'en ai pas eu un autre de véhicule. Vraiment pas. Donc vous êtes prêts à partir. Alors je vais les envoyer à une équipe n'importe laquelle. Des ressources. Bon, on va t'envoyer. Parti. Fox One. Ensuite.
Ressources. Ressources. Avancement des recherches. Inventaire. Ah, il faut envoyer 10 drones. On va le faire. Voilà. Les drones vont rentrer dedans. J'espère que je vais pas les perdre. Donc temporairement, on aura moins de drones disponibles. Mais bon, j'en ai quand même pas mal. Donc ça devrait être bon. Alors. Maintenant, je vais pouvoir mettre, je pense, d'autres usines. Usine électronique. Ah, ça va à l'intérieur. Ça va à l'intérieur. On va te mettre là. Ah, les lacs sont... Alors, les lacs sont un peu crados quand même, hein. Ah, les lacs sont vraiment crades. Mais bon, c'est parce qu'il y a que de la boue, je suppose, autour. J'ai gagné 32... Ouh, minerais rares, génial. Ouais, je suis content, hein, je suis content. Là, on est à 2% de température. Je génère combien de carburant? J'en génère pas mal. Donc, je vais peut-être en faire un deuxième pour booster encore la production, la montée de la chaleur. On va dans le terraforming. Site de boisement. Bah tiens, on va essayer. Je sais pas si ça va fonctionner. On va essayer de te mettre là. Et je vais... Ça va utiliser quoi? Ouh, jalon atteint. Développer une... une avancée. Parfait. Plus 1000 points de recherche. Anomalie planétaire analysée. Génial. Secteur scanné. Alors, toujours le bâtiment non fonctionnel et je sais pas de qui il parle. Ah, il est juste passé de gens là-bas, toujours. Je crois que j'ai oublié. Où est la recherche? Il y en a plein d'autres, faudrait que j'en ramène d'autres. Donc là, on va tenter de boiser Mars. Donc on m'a demandé quand est-ce qu'il va y avoir de l'herbe. Donc c'est parti. Ouh, on est bientôt à 1500 pouces bleus. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui peuvent avoir des chiffres de folie, mais quand je me rends compte 1500 personnes qui mettent un pouce bleu, c'est juste dingue, c'est un nombre de folie, quoi. Je comprends pas ta question, Nicolas. C'est pas de la boue. Ça, c'est de la boue, ça. Hein. Moi, je parle de ça. Hein. Ça, c'est de la boue. C'est normal, c'est de la terre qui est qui a de la terre tout simplement qui a de l'eau, hein, voilà. Ça devient de la boue. Je pense pas qu'il soit gelé par contre. Vérifions. Je sais pas aussi s'il indique s'il est gelé. Ah, anomalie analysée, alors on va en envoyer sur une autre. Hop, alors toi. Bien. Ouh, on a un paquet de gens dedans. Donc là, on va produire l'électronique. Donc je devrais plus en avoir besoin pendant pas mal de temps. Et toi? Consomme des graines pour planter de la végétation sauvage, augmentant la qualité du sol local. Les plantes dépériront, se développeront en fonction de la qualité du sol, de la température globale et de l'eau. Améliore la végétation si elle fait... Alors, je pense qu'elles vont probablement mourir, les plantes, là, mais bon. Alors, tout de suite, on va booster. Avec toi. Il y a une fusée qui a pris. On va couper. Donc merci de l'avoir signalé. Alors après, j'ai assez de métaux rares, mais pour le moment, je vais effectivement pas les vendre. Alors, côté eau, on en est à où là? Parce que je m'inquiète. On est à 5000. Ouais, je vais devoir venir là. Et pour venir là... Il me faudrait un réseau de drones. Waouh! D'accord, c'est bon. Alors, toi, suivante.
toi tu vas rentrer. Et toi, je vais t'envoyer en mission. Tu reviens avec des ressources, donc vas-y. T'es en plein ravitaillement. Tu vas l'explorer. Il y a vraiment beaucoup de changements. Hein. C'est vraiment cool, les développeurs. Alors, l'expansion est aussi chère, ou même plus chère maintenant que le jeu actuellement. Mais elle rajoute tellement de choses que je suis juste... je pense que ça vaut le coup. Quoi. T'as pas de route commerciale, scanner, charge de drone élevée, anomalie analysée. On est à 93% en recherche. Et... Je pense que je devrais attendre avant de me lancer plus dans le domaine là. Est-ce que je peux faire une usine de drones? Ça serait en robotique. Réseau de drones. On va faire la recherche pour pouvoir en construire nous-mêmes pour pas avoir à les ramener. Bâtiment non fonctionnel, cette fois-ci c'est lequel? Research complete. Anomaly analyzed. Le paramètre atmosphère, ça on l'a déjà vu. Anomalie analysée. Générateur de champ magnétique. Ah oui, il faut le construire lui. Alors, la suivante, les touristes payent 50% de financement. En plus, pour venir sur Mars, recevez 100... Ouh, par contre, coût de recherche, 10 000. Ah ouais, tu picotes un peu. Allez, on va prendre toi. Du coup. 250 de fer. Wouah ! D'accord, ouais, lui, il va attendre un petit peu. Alors, côté fer, c'est peut-être jouable, mais côté électronique, ça a piqué un peu. Alors, regardons déjà avec... on va regarder là. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a du fer? Beaucoup de fer. 26, 36. Anomaly analyzed. On vient là. Donc il y en a là. Il y en a là et là. Donc ramène-moi du fer. Et dépose-le-moi là. Et après... Ouh. D'accord. Et le bot de recherche, tu vas venir là. Tellement de choses. Après, il va devoir venir là-bas. Ouais, les lacs doivent être gelés, c'est ça? Oui. Bon, c'est pas très grave, ils vont se dégeler une fois qu'on va atteindre la bonne température. Et toi, t'as toujours pas fini. Il manque une pièce détachée. Elle devrait pas tarder à arriver. Il me faut plus d'employés encore. Ah, côté nourriture, on est bon. Bah, je vais mettre une maison, là. Ah, ça me ferait mal au cœur de mettre une maison. Ah, bah, on va devoir se rapprocher de l'eau. Donc... Ah ouais, mais non. Peut-être envoyer un... Je me dis, je vais peut-être envoyer un autre voyage pour ramener des pièces détachées. Alors, en fonction, peut-être il va me ramener quelque chose de bon. Tu me ramènes quoi? 40... Oh, 40 polymères. Bah, génial. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que l'on va fouiller? Non, les docteurs, ça, je peux pas le faire. Scientifique, ça devrait être jouable. Commandant téléguidé, avancée technologique. J'en ai pas de lui. On va essayer avec le scientifique. Je devrais avoir 3 scientifiques dans la base. Tu scannes plus. Si, je scanne. Regarde, il scanne là. D'ailleurs, on va remettre d'autres ordres de scan. Ouh, my mec, il me dit qu'on a atteint les 1500 pouces bleus. Oh, c'est génial. On est presque... The location of a metal-rich deposit. Ouh, j'ai de minéraux riches. Génial. Ah, non. Oh là là. Alors, je sais pas où la pluie de météorites va arriver, mais si elle arrive là, ça va être pas bon pour moi.
Ouais, je pense que, qu'on était à 1650, donc on va peut-être pouvoir atteindre, battre le record en pouces bleus sur cette vidéo. Ça serait juste complètement dingue. Faut battre le record, comme tu dis, Desmond. Alors toi, va-t'en avant la pluie de météorites. Il te reste un petit peu de carburant à reprendre. Research complete. Ah, réseau de drones, parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre ici. Alors, il va falloir le mettre là. Ouh. Ah, mais c'est genre pile. D'accord, on va te poser là. Tac. Ici, je regarde dans la recherche, il y a également celle-ci qui fait que les réseaux démarrent avec... avec deux drones supplémentaires. Mais bon, là, c'est trop tard. Usinage 3, des nouvelles constructions, pièces détachées. Ouais, ça serait pas mal. Accumulateur atomique, donc les super batteries. Le générateur Stirling, ça je le veux. Et puis on a cette recherche à faire après. Labo de recherche, il n'y a personne pour travailler là. Voilà, nous avons deux places là-haut, nous avons 12 places dans la base. Donc je peux ramener une fusée avec des gens. Scientifique, bah je veux des scientifiques. Ouais, alors par contre, il y en a peut-être un petit peu trop. J'ai 8 scientifiques, faut pas abuser quand même. On va en retirer. Alors, j'ai pas beaucoup d'autres. On va diminuer, on va changer les filtres. On va mettre des gars qui ont pas de spécialisation, tout simplement. Je sais pas ce que ça a donné, je vais pouvoir les former plus tard, je suppose. Botaniste, hop, c'est reparti. Ça c'est fini. Explosion de carburant. Ah oui, c'était là, perdu du carburant là, d'accord. Toi tu vas scanner une zone. Je sais même pas comment les plantes peuvent survivre. Pour le moment elles survivent pas vraiment, hein, comme tu peux le voir. On va te dire. On va te mettre en pause, tu vas arrêter de claquer mes graines. On va attendre que la température remonte. Ouh. C'est moi où il y a de la verdure là. Bah, je vais peut-être te laisser. Je vais te laisser continuer. Je crois qu'il y a de la verdure. Hein. Je crois que c'est de la verdure. Ouh. Tout a fini là. Alors. Ouais, je crois que ça devient vert. On va en mettre un autre. 15 de fer. Je suis bon en fer. C'est les pièces détachées qui me posent problème. Ouais, il peut y avoir des bactéries qui peuvent survivre sur Mars. Hein. Ils disent même là actuellement qu'il y a peut-être encore de la vie sur Mars, mais en souterrain. Donc vu qu'il y a eu du méthane qui a été détecté, qui peut provenir de l'activité de ces bactéries. Donc vous voyez, hein, on sait jamais. Hein. Peut-être que rien qu'en réchauffant un petit peu la planète. Alors moi, j'aimerais bien ramener plus d'eau. Ah, regardez, on est à 0.03, donc oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. 0.04. Parfait. Alors c'est un petit peu lent, mais ça va fonctionner. Et on va bientôt avoir bah, de l'herbe, des arbres et tout. Alors il va me falloir ramener des graines par contre. Et 1,2 milliard, ouais, je vais devoir ramener. Ah, toi tu atterris. Je vais devoir ramener. Ouais, alors des drones. On va ramener des graines. Lancé. Et là, j'ai plus d'argent maintenant. Donc, il va falloir faire gaffe. J'espère que je vais recevoir de l'argent dans pas longtemps. Ah, ça y est. Les gars sont revenus. Donc, alors, on va préparer à aller
pouvoir, une autre anomalie. Ah oui, non, ça c'est quelque chose que je peux pas faire. Capturer un astéroïde de glace. Ouh, c'est jouable. Mais on va le faire. Voilà, t'es en train de ravitailler. Donc j'ai besoin de carburant et j'ai besoin de 15 et on va recevoir des pièces détachées dans pas longtemps pour compléter ce que l'on a. Donc on va pouvoir capturer un autre astéroïde et l'écraser sur la planète. Il te faut un générateur de champ magnétique pour que la verdure tienne. Alors, il faut un générateur de champ magnétique pour l'atmosphère. Et pour être franc, je sais pas trop ce qui booste l'atmosphère. Alors. Là, mon problème est surtout... Ah, un des gars est mort. Ah, j'ai avancé. D'accord, mais au moins il est mort de vieillesse, donc pas de problème. Nous arrivent. Alors oui, justement. Mon problème avec le truc magnétique, là, c'est son prix, quoi. J'ai pas assez de fer. Et j'ai pas assez d'électronique. Donc, on peut tenter de le faire, mais... Allez, on va tenter de le faire. Allez, on va être fou. Ah, toi, t'as fini? D'accord, donc là, je vais pouvoir aller chercher de l'eau. Et du coup, alors toi, tu as du boulot à faire. Tu prends le fer et tu me le ramènes là. L'électronique, on en a 19. J'espère en avoir plus. Alors, mon usine d'électronique est là. Je vais faire une deuxième plage horaire. Et travailler dur. Ça va utiliser les ressources, les minerais rares. J'en ai beaucoup, donc allez-y. Faites-moi beaucoup d'électronique. Là, ils sont déjà en train de les poser. Ah, je vais avoir besoin d'électronique pour d'autres choses. Donc, ouais, on va voir, on va voir. Une fois que toi t'as fini, après il faudra que je trouve du fer ailleurs. Donc là je pense qu'on est vraiment à fond dans la terraformation et on progresse bien. Par contre, je sais même pas la quantité d'électricité qui va être nécessaire pour maintenir ça actif. Est-ce qu'il l'indique? Ah, regarde, on va te poser. Toi t'es en attente de quoi? Ah, t'es en attente de pièces de rechange et de carburant. D'autres robots. Ah. Cinquante-sept. Là, il y a beaucoup de métal. J'en vois là. Il y en a là-haut. Ah, ici. Voilà. Resources are low. Tu vas prendre ça là, et tu vas les ramener là. Alors, quelles ressources sont baisses? L'électronique, je sais. Charge de drone élevée, bah, vous en avez des nouveaux, secteur découvert, etc. Oui, alors, tiens, justement, au passage, un petit peu. Est-ce que je peux pas lui donner plusieurs ordres, genre? Hein? Ah, ça, c'est des boosts juste de confort, d'accord. J'ai rien à faire là. Tout ça, c'est juste des boosts, en fait. Pas de recherche ou autre à faire. D'accord. Oh, la charge des robots. Du coup, toi, bah, tu vas venir ramasser. Est-ce que je peux lui donner plusieurs ordres? Ouais. Je peux pas juste lui dire de ramasser une zone. Non, je peux pas. Voilà. Donc là, il devrait arriver. Il va aider au transport. Ah, il en a déjà pas mal sur lui. Ouais, il y aura une rediff. Non, je veux que tu déposes.
dis que j'aurais peut-être pas assez. Quelle est une anomalie planétaire? D'accord. Voilà, t'as du boulot. Plus beaucoup de ça. Alors là, on en est à ouf. On est à 154, il nous reste une quinzaine, donc c'est la preuve qu'ils travaillent dur ici. Je pourrais même lancer une autre plage la nuit, mais bon, on va pas le faire. On va pas le faire pour le moment. Côté recherche, 31%, on est la nuit. Côté électricité, je commence à être en négatif. Ah, toi, tu peux t'en aller. Donc, électricité. There are Earth-sick colonists. Ah, un colon nostalgique. C'est toi. Aucune résidence, faut que t'as pas de maison, c'est pour ça que tu... D'accord, alors je vais leur mettre des maisons là. Petit logement. Parce que je peux pas mettre autre chose de gros là. D'accord, donc le gars a pas dedans. Il a dû avoir des naissances et un gars a été éjecté de son appart. D'accord, et toi? C'est toujours en cours, tu vas revenir avec de l'eau, la température est à bientôt 5%. Lui, travail dur. Sector scanned. Donc je me dis, est-ce que je peux en mettre un autre? Mais alors j'ai tellement de choses en cours, mais est-ce que je peux... S'il coûte pas cher, 10 de métal, 5 de... Ah, c'est de l'électronique. S'il demandait autre chose, je l'aurais posé. Mais ouais, là. Alors. T'as fini. Alors, tu es en train de ramasser du métal. Le lac est plein. Ouais, là, j'ai... je suis à un niveau où je dois attendre que la planète s'améliore. Ressources faibles, non fonctionnelles, scannées, nostalgiques. D'accord. Ah, ça y est, lui, il est parti en mission. Il est parti aller chercher l'astéroïde. Il va aller ramener l'astéroïde et le faire tomber sur la planète. Génial. Ouais, le jeu est vraiment cool, hein, Lord Titi. Il est vraiment classe. Si t'aimes les jeux de stratégie, et surtout avec le dernier patch, il a vraiment changé. Bon, ça concerne pas vu que t'as pas joué avant. Mais il a vraiment été renouvelé avec ce patch. Ouais, le générateur Nico Magnétisme va mettre en rouge. En électricité, mais je sais pas de combien. 100 d'électricité. D'accord. Alors, il va falloir peut-être se lancer dans la recherche de génération d'électricité. Est-ce que je me suis fait... D'accord, toi. C'est le générateur Stealing, c'est le suivant. Après, l'agriculture sans les dômes. Est-ce que je peux pas te déplacer? Parce que là, j'ai pas vraiment envie de l'arrêter. Alors, on va faire un test. Je vais le regretter. Je vais arrêter là. D'accord, il est toujours à 39%, donc je peux le remettre derrière. Parfait. Parce que, ouais, là, c'est 7000. On le fera plus tard. Là, je veux vraiment le générateur Stirling. Parce qu'eux génèrent pas mal d'électricité. Ils peuvent même fonctionner au double de leur puissance. Et je crois qu'ils ne coûtent pas trop cher. Hein. Mais il va m'en falloir un grand paquet. Ah, là, il me manque plus que... je vais devoir le couper, je pense, le truc électromagnétique, avant que la recherche de Stirling soit terminée. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, il faut réparer, mais il me faut deux, alors. Voilà, on va l'arrêter temporairement. Amenez-moi l'électronique là-bas. On va devoir mettre un petit peu d'électronique de côté. Toi, t'as fini... Alors, je vais accepter qu'il récupère un petit peu de minerai rare, parce que j'en ai besoin pour gagner de l'argent. Donc, mettez-moi du minerai rare. Et je sais pas combien ça va me donner, mais peut-être que je vais avoir assez pour ramener de l'électronique ou autre chose. Parce que ça, c'est les pièces détachées. Si ça ne fonctionne pas, c'est un gros problème. Des usines GES, c'est quoi ça? Hmm.
Je vois pas ce que tu veux dire par les usines GES. Je vois pas c'est quoi ta question, Seblog, sur comment faire quoi, je ne sais pas. Mais je peux pas donner des conseils individuels pendant le live, hein. Je suis désolé. C'est pas possible, ça. Je peux pas maintenir une discussion avec quelqu'un d'individuel longue. Alors. Encore un petit peu, on va attendre d'être à 30. Si t'as besoin d'aide, c'est le bol, je suis sûr qu'on peut t'aider hein, dans le chat plutôt que moi j'intervienne. Ah, du coup. Emplacement de travail libre 15. D'accord, donc là on a une maison. Tu en es à où? 19. Ouh, j'ai peur. On relance. On est à 34%, il va bientôt faire jour, et la journée, j'ai des shifts d'ingénieurs qui bossent. Est-ce que j'ai bossé dans le monde de la cigarette? Ça me semble être une question vraiment précise. Je comprends pas, mais non, je n'ai pas bossé dans le monde de la cigarette, jamais. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Débloque le générateur comment tu écris nucléaire. Alors le générateur nucléaire serait pas mal effectivement. Ah c'est toi, je peux te renvoyer. Hein? Échec de lancement? Plusieurs colons se sont rassemblés pour assister au lancement. Leur impatience fait place à l'inquiétude alors que les moteurs crachent de la poussière et de la fumée et que la fusée reste clouée au sol. Au moins elle n'a pas explosé. Donc il faudrait faire une maintenance de 5 pièces de rechange. On va faire la maintenance. Sector scanned. La journée est un peu courte, tu trouves? Oui, là, alors, depuis ce patch, hein, lors de Titi, avant, ce n'était pas du tout le cas. Avant, il fallait juste faire une base sur Mars, mais depuis le dernier DLC qui vient de sortir il y a 3 jours, quelque chose du genre, le but est maintenant de complètement terraformer la planète, c'est-à-dire avoir effectivement des colons qui puissent respirer l'air libre de Mars. Là, elle décolle. Elle décolle, parfait. Donc elle devrait revenir avec un peu d'argent. Je me demande quand je vais gagner de Yumpé. Alors, tiens, on a besoin de plus de fer. Du coup, 137 de métal là. Ouh. Tu viens là. Tu me ramènes le métal et là tu vas avoir pas mal d'aller-retour à faire. Et donc j'aurai moins de micromanagement, donc c'est parfait à faire. En avant. Toi, on peut t'arrêter. Franchement, je crois que j'ai assez de béton. je pense pas que j'ai vraiment besoin de plus de béton avant pas mal de temps, donc on le coupe. Moins d'électricité et tout. On a 43 d'électricité, il nous en faut 100 pour lui. Alors, le réacteur nucléaire. Il doit être là-dedans. Alors ça c'est un générateur atomique, un accumulateur atomique, donc ça c'est une batterie, c'est pas un générateur. Hein. Il est quelque part là-bas. Et j'ai toujours pas fini les sterling, on est à 65%. L'inquiétude ça va vraiment être les nuits pour le machin magnétique. Alors par contre là la fusée a toujours pas fait tomber l'astéroïde sur la planète. Et là, il me faut vraiment de l'argent. Alors, un petit rappel, parce que je veux vraiment le péter ce record, pensez à laisser un petit pouce bleu hein, pour dépasser les 1650, qui est le record de la vidéo, enfin, de mon meilleur live. On est vraiment pas loin, donc ça serait vraiment dommage de pas l'atteindre. Et également, petit rappel, venez sur le Discord mon Discord, tout simplement. On va vous mettre le lien dans la description parce que on va organiser un événement samedi prochain à 15h, un événement trivia où on va faire des équipes hein, donc de vous. Et moi, je vais poser les questions et les gagnants
va monter dans le tournoi donc en équipe. Hein. Donc ça va par exemple être 10 contre 10. On pose une question, le premier d'une équipe qui trouve la réponse fait gagner un point à son équipe. C'est vraiment fun, on s'amuse beaucoup. Donc voilà, passez également sur le Discord et pensez au pouce bleu. Ah, les usines GES augmentent la température, mais il t'en faut beaucoup plus. Alors le problème, c'est que je suis un petit peu juste là en ressources. Ah, 15 de... Ah, quoique. Ah non, j'en ai 7, vous voyez, des pièces détachées. Ah, j'ai pas assez de pièces détachées. Je sais pas trop pourquoi. Ah, je viens de recevoir 720 millions pour l'exportation. Alors, dépression nerveuse. Aïe, aïe, aïe. Ah, la recherche est bientôt terminée. Et toi, t'es bientôt passé là-bas. Alors là, ce que je voudrais vraiment, ouais, c'est... ouais, est-ce que je peux renvoyer juste avec toi et de l'électronique? Combien tu vas me coûter? Ouais, vous voyez, il me reste 34 000 kilos, là. C'est juste pas justifiable. Est-ce que j'ai une mission, peut-être, qui me rapporterait de l'argent? Ouais, mais là, ça me demande 30 électroniques. Ça me donnerait 1,7 milliard. Je vais devoir faire de la recherche, hein. Je vais faire de la recherche qui me donne de l'argent pour pouvoir mieux remplir la fusée et renvoyer ça ici. Alors là, il me manque 8 d'électronique par contre. Alors à moins que je puisse... Research complete. Je peux pas encore faire l'amélioration là. Ah, générateur Stirling, ça y est. Et donc là, on est lancé dans l'analyse des données du télescope spatial. Alors, bah tiens, on va faire plus de Stirling. Si j'ai ce qu'il me faut. Oh. Ah là là! Ah ouais, donc là c'est pas cool là. Donc du coup, on va faire des éoliennes. Allez-y. Anomalie trouvée. Ouh, ça c'est bon. Donc on envoie celui de recherche. Comme ça on va finir une recherche un peu plus vite. Notre. Ah, j'adore, vous voyez, hein, les pentes que j'ai construites. Le fait de tout pouvoir terraformer, là, je peux vraiment modifier complètement Mars. Si je veux, si j'ai assez de temps et de ressources, je peux faire que ça, c'est complètement, vous voyez, une plaine parfaitement plate, si je le veux, ou pas. Hein, voilà, en fonction. Et j'aime vraiment le fait que plus tous les dômes ne soient, vous voyez, complètement ronds. C'est cool, ça met un petit peu de diversité. Maintenant, vous pouvez le voir, là, j'en suis quoi? J'en suis à 3 heures de live. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Regardez, côté recherche. On est à quoi? On est à 15%? Je pense même pas qu'on est à 20% là, en recherche. Oula. Tremblement. Ah! Tremblement de terre, oui. Alors ça, c'est dû. Le gars, il vient de finir la quête. Capturer des astéroïdes gaz, il vient de le faire. Parfait. Et donc, ça m'a endommagé mes bâtiments. Bon, c'est pas grave, hein, on va aller... Regardez la pile de ressources. Anomalie analysée. On va attendre ça. Et bah là... Ah, tu fais ça, tu me signales qu'il y a un... Ah, il me dit qu'il a besoin d'être de maintenance, d'accord. Et donc là, on est à 10% d'eau sur la planète. Et on est à 6,74 de la température... nécessaire. Donc je gagne 0,5 par sol, donc par journée, donc pour arriver à 100% il me manque 43, donc il me faut 86 sols, donc 86 jours pour finir la terraformation de la planète avec les deux là. Si j'en remets un troisième, ça me fera passer à 66 jours, même un peu moins. Ouais.
Un renard peut pas vivre sur Mars. Pour le moment, il peut que vivre dans sa petite cage. Mais dans pas longtemps, il pourra sortir. Fait des panneaux solaires. Alors le problème avec les panneaux solaires, c'est qu'ils ne donnent de l'énergie que toute la journée, donc il me faudrait une quantité massive d'accumulateurs. C'est ça le problème. Ouais, et pour les accumulateurs, je crois qu'il me faut... J'en ai pas mal. Voilà, donc là pas mal de choses à faire. Alors pourquoi ils ne viennent pas? Ah, c'est parce que j'ai pas les pièces détachées nécessaires. Donc je vais devoir les annuler. Parce que je veux garder les pièces détachées pour les réparations. Donc on va mettre plus de panneaux solaires. Voilà. Avec tout ça, je vais peut-être pouvoir tenir la nuit. Coopération de recherche. Alors, Lambda Industries est extrêmement satisfaite de votre aide dans l'analyse des données. D'accord, et souhaite vous remercier. Un coup de main, plus de points de recherche. Alors, c'est quoi, 100 points de recherche standard ou 100 points tout le temps, tous les seuls On va voir, on va prendre ça quand même. Ouais, donc on est bien passé, d'accord. On a plus de points de recherche sponsor, ouais. Donc j'aurais bien aimé l'argent, mais on va faire 100. Est-ce que je peux envoyer mon gars quelque part? Ouais, je pourrais l'envoyer là-haut pour choper de l'eau, mais j'ai plus assez de points de... D'accord, donc on va te renvoyer sur Terre et on va envoyer des métaux rares pour pouvoir revenir avec les ressources dont j'ai besoin. Alors ici... Plus que deux électroniques et on va avoir enfin ça de près. Donc c'est pour ça que j'espère qu'ils vont finir là vite. J'ai des tonnes de panneaux solaires, ouais, mais ils vont pas suffire, comme on va le voir. Très probablement pas. Là, ils me font mes batteries. Secteur scan. Ouh, deux anomalies. Tu y vas. On est à 1700 pouces bleus, c'est ça? Waouh, bah là on a pété le record. Bah bravo les gars. Merci à tout le monde. Oh là là, donc bah voilà, meilleur live en like pour le moment depuis le début de la chaîne, hein, je crois. Si je me gourre pas, donc c'est juste incroyable. Le jeu vous plaît, donc. Alors, demain, je vous rappelle que demain, il va y avoir du Castle Story à 15h. Mais je vais essayer de faire un château cette fois-ci, plutôt de faire que ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui est de mettre des barricades, on va dire des murailles. J'espère que peut-être on va faire un live aussi bien, ou peut-être même mieux, ce serait cool. Mais en attendant, là, on pète les records. Alors, anomalie, analysée. Ah, d'accord, donc là, on a découvert des gisements riches. Pas vraiment ce que je voulais, c'est pas grave. Alors on a un autre ici. Voilà. Allez, il y a côté haut là. On est à 3000 d'eau. D'accord. Donc je vais bientôt m'installer là. Mais j'ai encore un petit peu de temps. La nuit, ça va être la dèche, je sais, ouais. La nuit, ça va être la dèche. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de batteries pour essayer de compenser. Parce que mon problème là est que je n'ai pas assez de pièces de rechange pour faire des éoliennes. Donc. Commercial fermé, bon ça m'intéresse pas. Encore des bâtiments non fonctionnels. Pas assez d'ouvriers. Va falloir amener des gens.
On va le mettre là. Et je vais devoir mettre d'autres maisons là pour les connecter. Parce qu'apparemment, on a pas assez de main d'œuvre. Alors. Ah là, c'est fini. On est à moins 94. Ah, il est pas connecté. Alors, comment est-ce que ça va? On peut être à moins 94 sans qu'il soit connecté au réseau. Donc là, il pompe de l'électricité sans fonctionner, c'est ça? C'est quoi cette histoire? Production 124 demande. Ok, donc là, il le pompe pas vraiment. Donc là, c'est un récapitulatif, mais un peu erroné. Donc une fois que toi, tu vas être terminé. Ouh. Donc production... Ah, ça y est. Production 314, demande 304. Donc la journée, on est bon. Mais on n'est pas assez bon. Donc il me faut plus de panneaux solaires pour recharger après la nuit. Ou alors... Peut-être une éolienne si je peux. Ah, toi tu vas repartir. Et on va revenir avec d'autres. Donc on va demander. 2 éoliennes. Et plus de panneaux solaires pour la journée. Pour recharger. C'est aujourd'hui les 2000 likes. Ça serait bien, mais je pense que ça serait difficile de les atteindre là. Mais pourquoi pas. Donc, alors là, on est à 0,15 de végétation. Donc, on a de plus en plus de zones vertes. On en a même une très grande là, ce qui est génial. La température est à 8%. Alors, je sais pas à combien il faut arriver pour que l'eau ne gèle plus. Et là, on a 47, 33 de positif. Oh, génial. Une éolienne est tombée en panne. Il va me falloir des pièces de... Ah, il la répare là peut-être? Je sais pas. Ouh! Ça c'est bon, ça je veux. Nous enverrons 50 en échange de... Ah, c'est, ça c'est une excellente... Ok, donc là je vais me dépêcher, je vais renvoyer à lui en route. Il me faudrait une fusée sur place, mais on va envoyer une fusée moitié vide. C'est pas grave. Donc fusée cargo. Je vais avoir besoin de pièces de rechange. On va pas en prendre de plus de ça. Il me faut des drones. Peut-être un peu de nourriture. Ou pas. Lancer. Et il me faut une autre avec des gens. Ou quoique, est-ce que j'ai de la place pour des gens? 4, 5. J'ai 9 places, c'est pas assez. Il me faut finir là. Pour avoir plus de gens. Donc une fois que la fusée va arriver, je vais la remplir en carburant. Et je vais m'en servir pour faire du commerce avec l'autre. D'ailleurs au passage, est-ce qu'il y a les autres, vous voulez quoi? Donc c'est vous hein, qui voulez... Ouais. C'est la nouvelle arche. Oups, non. Les autres. Nous avons la Blue Sun Corporation. Eux, ils veulent 50 de métal et ils vont nous donner 565 millions. Oh, ça, je peux le faire également. D'ailleurs, toi, t'as fini le transport. Est-ce qu'il y a plus de métal dans le coin? Ouais, là, il y en a encore. On va l'envoyer là. Il va le ramener parce qu'on va faire plus de commerce. Là, j'ai vraiment négligé le commerce et en fait, il y a des trucs vraiment cool. Ah, anomalie détectée. Donc, on va envoyer le scanner. Oui, c'est normal que la nuit, on est en négatif. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup plus de batterie. Là, ce que j'essaye de faire, c'est que la nuit, ben là, ça se vide. Mais la journée, grâce aux panneaux solaires qui vont s'activer, on va remplir les batteries. Hein. Et j'ai quelques... éoliennes qui sont là pour compenser un petit peu la nuit. Hein. On est à 8,38. Hop là, regardez, ça s'allume. Alors on passe à 17. Ouh, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour remplir. Et par contre, vous voyez là, l'atmosphère ne change pas vraiment. 0,2 d'atmosphère par sol. Génère des recherches proportionnellement à l'atmosphère actuelle.
peut déclencher des tremblements de terre localisés. Oh, parce qu'au milieu de ma base, c'est malin. Enfin, d'accord. Alors, il me faut... Il faut vraiment plus de nourriture. Voilà, on va mettre en priorité. Bon, alors, viens prendre du béton. Resources are low. Le fer était où? Voilà. Là, ils le construisent. T'es arrivé. Donc, on va te poser là-bas. Là, on va pouvoir accueillir plus de gens parce que j'ai vraiment besoin de plus de main-d'œuvre. Mais avant, on va connecter. Je connecte par où? Qu'est-ce que je fais pour la connexion? On va retirer le bar de l'espace. Et on va faire la connexion par là. Alors c'est vraiment dommage, vous voyez qu'on n'est pas juste... Pourquoi est-ce que je dois le mettre à l'intérieur? Je peux pas me connecter comme ça. Ah! Ah, j'ai pas la technologie pour le... Je n'ai pas la technologie pour le démonter complètement. Alors, ça va être la suivante. Je sais pas c'est lequel, physique. Je sais pas c'est lequel. Ah, je me rappelle plus, vous vous rappelez, c'est dans quelle colonne qu'il y a la recherche pour démonter complètement les bâtiments? Ah, bah je dois te remettre, et donc là, je sais pas ce que je vais faire pour lui. Du coup, on va désactiver. Ah, ça c'est vraiment naze que l'on peut pas déblayer. Ouais, je pense qu'on a débloqué le record, hein. Vraiment merci. Ça c'est génial. Alors, bah tiens. Alors oui, par contre tu vas retirer ça et je dois envoyer faire du commerce. Contact. Non, c'était pas avec toi. C'était avec eux d'abord. Alors, attends. Nous enverrons. C'est qui enverrons? C'est vous qui envoyez ou c'est nous qui envoyons? Je sais pas. Alors, on va essayer, mais là, j'ai un doute du coup. J'ai mal fait. Ah ouais, c'est l'inverse. Ah ouais, mais alors il veut me donner du béton maintenant, mais tu rigoles. Alors on annule. Voulez-vous vraiment écraser? Voulez-vous annuler, tu veux dire? D'accord, alors là je suis vraiment déçu parce que ça veut dire que eux... Nous enverrons 50 de fer. Ah, mais ouais, mais les gars, vous voulez pas me donner des trucs rares? Ah ouais, là, je suis déçu, quoi. Bon, bah, du coup... Là, on est en cours d'annulation. Ouais, là, je suis bien déçu. Bon,
Bah du coup avec ça, on va s'arrêter là parce qu'il est 18h18. Ah bah tiens, c'est le bon moment de s'arrêter à 18h18. Vraiment merci à vous tous. Demain c'est du Castle Story pour changer un petit peu. Je continuerai probablement cette sauvegarde là sur un autre live. On verra, je sais pas encore. Ça va dépendre de l'intérêt que ça génère. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. C'est un petit clic, ça fait vraiment plaisir. Et ça va exploser encore plus le record, ce qui nous forcera à faire encore mieux dans les lives prochains pour le dépasser. Voilà, donc merci à vous. N'oubliez pas de rejoindre le Discord, on vous attend dessus et on va organiser donc des événements. Donc si vous voulez passer une bonne après-midi avec moi et avec le reste de la communauté le samedi prochain, passez dessus. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais mettre pause par contre, parce que je veux pas que ça continue dans le vide. Si vous avez quelques questions, je vous y réponds là. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions sur des jeux à présenter. Malheureusement, je peux pas vous dire si je présente un jeu. Parce que je reçois constamment des nouvelles clés. Je teste tous les jours au minimum 5 jeux en rentrant du boulot. Sauf si jamais j'ai le jeu que je sais que je vais présenter car il a l'air génial et tout. Mais en général, je fais 5 jeux en moyenne. Certaines journées, je teste 10 jeux que j'ai reçus avant de trouver quelque chose qui me plaît ou pas du tout. Donc je ne sais pas ce que je vais présenter le lendemain avant d'avoir fait les tests. Et je sais pas si je reviens sur un jeu que j'ai déjà présenté. Tu restes pas jusqu'à la fin des jeux. Bah, je vais pas faire... Là, on a une partie de au moins 30 heures. Hein. Je vais pas faire une partie de 30 heures d'un coup. En général, c'est plus des présentations que je fais. Là, en tout cas, demain, c'est prévu pour du Castle Story. Peut-être la semaine prochaine, je reviendrai sur celui-là. Demain, le développeur m'a donné 3 clés de Castle Story à vous donner gratuitement dans le chat sous forme de loterie. Mon jeu préféré est probablement Banished. Peut-être Don't Starve, donc je pense Banished plutôt. Non, je ne vais pas continuer la série des Stellaris avec Epierre et Aurélien Sama. Je crois que Epierre a déjà lancé une autre partie. Et moi je vais pas revenir dessus. Oh, 1800 pouces bleus, vraiment? Waouh! D'accord, complètement dingue. oui, je ne fais plus de live sur Twitch, c'est fini. Je fais tout sur YouTube, c'est plus facile pour tout le monde. Tout le monde est au même endroit, tout le monde chatte au même endroit. Mes modérateurs ont qu'un chat à surveiller. Moi j'en ai que un à lire. J'ai pas de communauté sur Twitch, ou très peu de gens. Donc il n'y a pas de raison vraiment de compliquer les choses et voilà. Est-ce que j'ai testé Repas Universalis 4? Je pense pas. Les clés de Castle Story seront distribuées demain par loterie, on les donne pas individuellement. Un let's play coop de Castle Story? Non, probablement pas. avec 1.8K pouce bleu. Bah dis donc, ouais, là c'est les 1.8, hein, c'est les 1.8. Quel est le meilleur jeu de gestion que j'ai joué? Je sais pas. De tête comme ça, peut-être Don't Starve, je sais pas. Feras-tu dans pas longtemps un autre jeu dans l'espace? Bah je vous dis, je sais pas. Ça dépend des sorties des jeux, ça dépend de la qualité, il faut que je teste, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Probablement, mais je ne sais pas. Non, je vais pas faire de live sur Mordo, c'est un jeu en ligne. Complexe, très dur, ça serait pas fun à regarder, ça serait des enchaînements de morts, et non, je compte pas en faire. Sur le jeu en ligne, en tout cas. Donc voilà, bah, je pense qu'on est bon. Je m'arrête là. Je vous dis bonne fin de journée. Passez demain sur le live à 15h pour du Castle Story, pour tester une construction de château. Et n'oubliez pas le pouce bleu en partant. Bye bye!